Mesdames, Messieurs, bonsoir. On est ravis de vous accueillir à la Bibliothèque publique d'information pour cette séance de notre cycle consacré aux cultures numériques qui s'appelle donc Controverse et vous allez donc assister à l'anatomie d'une idée reçue, ce qui veut dire qu'on va essayer de déterminer s'il s'agit ou pas d'une idée reçue, la phrase qui est donc affichée derrière vous. On est ravis d'accueillir donc Ziad Malouf pour animer cette séance. Il est donc journaliste à RFI et animateur de l'Atelier des médias. Voilà, je vous laisse la parole pour présenter les intervenants. Merci Silver. Alors, quelques mots tout d'abord sur le déroulé. Je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers des controverses ici. Donc, on va donner la parole 15 minutes à chacun des deux orateurs, donc qui vont faire une sorte de plaidoyer pour défendre leurs idées. On aura ensuite un temps d'échange entre les deux orateurs, avec moi au milieu, et puis un temps d'échange avec vous, ce qui devrait nous mener au plus tôt à 8h, au plus tard 8h15, 8h30, 20h15, 20h30. On me demande en général de faire une petite introduction. J'ai beaucoup réfléchi, c'était un peu difficile et je me suis dit que j'allais vous raconter quelques anecdotes ou des choses qui me frappent et je ne sais pas si ça va servir d'introduction. Il se trouve que j'ai un frère qui vit en Asie, à Singapour précisément, et là-bas on se déplace beaucoup, il n'a pas de voiture, d'ailleurs c'est très cher les voitures à Singapour, on se déplace beaucoup en transport en commun et j'ai eu la chance de voyager plusieurs fois en Asie et j'ai toujours été frappé ces dernières années par les transports en commun et par toutes ces personnes qui ont donc des petits écrans devant elles, donc soit pour regarder un film, soit pour échanger. Alors c'est devenu un lieu commun, mais je me fais tout de même... Alors je ne sais pas pourquoi on y pense en Asie, peut-être parce que les transports en commun là-bas, les deux files de personnes sont alignées, donc on voit un peu mieux ce que fait chacun. Et j'ai toujours été frappé par cette idée que quand on est dans ces environnements avec chacun qui regarde son écran devant lui et qu'on se dit... il y a 10 ans, ça n'existait pas, et il y a 10 ans, ça aurait été de la science-fiction, c'est-à-dire que quelqu'un qui aurait imaginé ça, c'était littéralement de la science-fiction. Pourquoi je dis ça ? Parce que, en fait, quand on parle de transhumanisme, ça ressemble étrangement à de la science-fiction. Alors, pour schématiser, j'imagine que la plupart d'entre vous en savez beaucoup plus que moi sur le transhumanisme, mais pour schématiser, c'est un petit peu l'idée que la technique va rendre l'homme immortel. Et voilà, en gros, le transhumanisme. Et donc, la question qui nous rassemble, c'est l'homme de demain sera bionique, ou on pourrait dire la femme de demain, ou mettre une majuscule à homme, je ne sais pas si ça se fait encore. Et moi, la question que je me pose, en fait, c'est est-ce que l'homme d'aujourd'hui est bionique ? Parce que je pense que c'est en fait ça, la question que chacun d'entre nous se pose. Et c'est une question qui est d'autant plus importante que... quand on songe au fait qu'une entreprise comme Google, qui est certainement une des entreprises les plus influentes et les plus puissantes du monde aujourd'hui, mise beaucoup sur le transhumanisme, a embauché des personnes qui sont très proches des idées transhumanistes, favorisées, etc., et développe toutes sortes de choses, dont d'ailleurs les téléphones portables qui m'ont frappé dans le métro. Autre anecdote, et j'arrête de vous embêter juste après, je reviens à l'instant de Marseille, j'ai mis 3 heures pour faire Marseille-Paris, j'ai passé quelques jours là-bas, et j'ai revu là-bas un ami que je vois tous les 6-8 mois quand je passe à Marseille ou quand il passe à Paris. C'est un ami que j'ai rencontré quand j'étais à la fac, je suis désolé de vous parler de moi, mais on a eu une discussion, on se souvenait qu'il y a... maintenant 16 ans à peu près, je l'avais rejoint au Brésil pour le début du carnaval à Bahia, parce qu'il avait vécu au Brésil. Et en fait, on s'était demandé, mais comment est-ce qu'on a fait pour se retrouver un matin à Salvador, alors qu'on n'avait ni l'un ni l'autre de téléphone, ni l'un ni l'autre de moyens de communiquer, pas d'adresse email, pas de mail, etc. Donc c'était il y a 15 ans, 16 ans, et on n'arrivait pas vraiment à se souvenir comment est-ce que humainement on avait réussi à se donner un rendez-vous, parce que avant de le retrouver, j'avais voyagé pendant 2 mois. Il m'a dit, mais tout simplement, à l'époque, on savait se donner rendez-vous. Et c'est vrai, à l'époque, on savait se donner rendez-vous, ce qu'on ne sait absolument plus faire aujourd'hui. Et ça m'a amené à l'idée que, finalement, ces petits objets qui changent notre vie, qui nous servent d'assistants, qui sont les vecteurs de ce que les Américains appellent l'empowerment, de ce que les Français aiment aujourd'hui appeler l'empouvoirment, eh bien, ce sont aussi des objets qui limitent nos capacités d'une certaine manière. Il y a des choses qu'on ne sait absolument plus faire et qui étaient tout à fait naturelles. Je ne sais pas si ça sert d'introduction.
En tout cas, voilà, je vais donner la parole à... On a tiré au sort pour savoir qui allait parler en premier. Je vais vous présenter le premier orateur et puis je vous présenterai le second quand il prendra la parole. Donc c'est Olivier qui va prendre la parole en premier, Olivier Nérault, qui est ingénieur, docteur en sciences cognitives et vice-président de l'Association française transhumaniste, qu'on appelle aussi Technoprog, avec un point d'exclamation. Olivier, je t'invite à aller à ton pupitre avec ton ordinateur. Merci pour ces éléments. Donc, j'ai un quart d'heure à peu près, c'est ça ? Ouais, il est 19h05, tu as jusqu'à 19h20. D'accord, ça s'arrête là. J'ai essayé aussi d'avoir quelques anecdotes par rapport à ça. Parce que cette question, en effet, est-ce que l'homme de demain sera bionique ? Et surtout cette question, est-ce qu'on ne l'est pas déjà ? Donc, qu'est-ce que c'est le transhumanisme ? Ben, ce sont des réunions de gens transhumanistes qui partagent la pensée transhumaniste. Et donc, vous en avez un devant vous. Et donc je ne suis pas un cyborg, je n'ai pas de greffe, je n'ai pas d'ordinateur implanté, la seule technologie c'est peut-être une broche avec quelques points de suture. Donc tout ça c'est pour casser un petit peu ce mythe de cette idéologie qu'on aurait de se transformer en machine. Donc en effet je viens des sciences cognitives où justement on cherche à modéliser, alors moi je travaillais sur le cerveau, sur le chaos neuronal, essayant de comprendre comment fonctionne le vivant, comment fonctionne la pensée. Et c'est en étant justement à cette interface-là que j'en suis venu à me poser des questions liées à cette question transhumaniste, c'est-à-dire quel est le destin de l'homme dans ces technologies. Je te rassure, ce débat de savoir comment est-ce qu'on faisait avant, les gens l'ont eu avec l'une des premières technologies qui consistait à graver de la pensée dans de la matière, tout simplement dans le marbre, hein, quand on gravait dessus et qu'on écrivait des mots, de ce débat, de se dire que la connaissance écrite allait faire perdre la mémoire. Donc depuis l'origine, chaque fois qu'il y a une évolution ou une révolution dans le vivant, évidemment on perd parce qu'on se transforme, c'est la création destructrice. Donc voilà, voilà, vous avez devant vous un transhumaniste. Donc, est-ce qu'il sera bionique ? J'ai un peu une difficulté avec cette question-là, parce que ça veut dire, dans notre imaginaire à tous, que bionique, on va devenir des êtres vivants, machines, croisés. Et les seules références mentales qu'on a aujourd'hui sont les dystopies qu'on a dans les films. Ce sont des êtres auxquels je n'ai pas vraiment envie de ressembler. Mais au final, je me dis qu'on a déjà des super-pouvoirs. J'en ai un là que j'utilise, c'est que je sais faire vibrer l'air pour inscrire chez vous des pensées à distance. Pourquoi je dis ça ? C'est pour essayer de faire comprendre que ces technologies, ces évolutions, ces capacités que l'on a, on finit par les oublier tant elles sont complètement naturelles. Et c'est très difficile de faire une différence entre naturel et artificiel. Par exemple, je vous disais, je ne suis pas greffé. Si, dans mes cellules, il y a des choses qui ne viennent pas de ma propre constitution, ce sont les mitochondries dans les cellules, qui sont transmises par un autre biais. Et dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du vivant, il y a eu une époque où les cellules se sont dit, tiens, ce serait pas mal si on prenait ces organismes, on se les greffe à l'intérieur et ça nous fait comme des petites batteries. Petit parallèle avec le film Matrix, où on reprend des humains pour pouvoir en faire des batteries. Et j'espère qu'on n'ira pas vers ce futur-là. Donc des super pouvoirs de cyborg, on en a déjà, on voit des ondes électromagnétiques par les yeux, on peut... Donc tout ça pour dire que moi j'aurais du mal à définir véritablement ce bionique. Alors quelle sera la posture transhumaniste par rapport à ça ? C'est simplement de constater que ces évolutions, ces révolutions technologiques, elles existent depuis la création même de l'univers, il y a des couches qui se rajoutent les unes aux autres, qui complexifient la structure des entités, le vivant qui se complexifie, et que il n'y a pas de raison que ça s'arrête. L'homme là-dedans, il n'a pas une place particulière, il est au sein de cette chaîne, au sein de cette évolution. On a simplement, dans l'histoire que l'on connaît de l'univers, une capacité à se projeter dans le futur. Donc on a une certaine responsabilité par rapport à ça. Et comme on a une certaine responsabilité, peut-être qu'on a un petit peu des choix à faire par rapport à notre avenir. Et qu'on peut constater que ces technologies, elles font peur avant, et qu'après, elles sont intégrées, comme on a eu peur de transcrire la pensée, enfin l'effet qu'aurait le fait de transcrire la pensée par du texte.
Donc, tout ça pour dire que je pense que ce transhumanisme, il s'inscrit dans un continuum, dans une évolution du vivant. Il s'agit simplement de se poster à un point donné et de se dire vers quoi on va. Alors oui, aujourd'hui, on constate qu'on utilise tous de plus en plus de technologies, qu'elles s'intègrent de plus en plus, qu'elles se miniaturisent, qu'aujourd'hui, il y a des recherches qui sont faites pour les greffer, par exemple, des systèmes directement au niveau de l'œil pour pouvoir avoir des informations en temps réel. Donc, ça va continuer et autant se poser la question aujourd'hui. Je vais vous citer d'autres super-pouvoirs pour essayer de montrer justement qu'on les a déjà, qu'il ne faut pas avoir peur de ce qui se passe. Un exemple, c'est projeter sa pensée dans de la matière. On a tendance à considérer qu'il y a le non-vivant, le vivant, la matière, l'artificiel, le naturel. On a bien segmenté les choses. Mais en réalité, quand on conduit sa voiture au début, on a l'impression de conduire un tank qui fait 3 tonnes, on a du mal à se diriger sur les ronds-points. Et plus on pratique cette conduite de la voiture, plus on a la sensation de savoir où est l'arrière-gauche du pare-choc. On sent ce qu'il y a sous les roues. Cette capacité de la pensée à se projeter comme ça dans un système artificiel, il n'y a pas de raison que ça n'évolue pas et que, justement, on intègre de plus en plus ce que l'on considère aujourd'hui comme l'artificiel dans une évolution du vivant. Donc j'essaie d'inscrire ça dans une forme de continuum, d'évolution. Alors si vous êtes intéressé au transhumanisme, il y a un terme qui revient souvent, c'est le terme de singularité. Ce terme de singularité, ça signifie quoi ? Au niveau mathématique, ça signifie un point qui n'est pas défini, un point qui va souvent vers l'infini, un point qu'on ne peut pas représenter. Dans la pensée transhumanisme, la singularité, c'est un point où les technologies convergent tellement vite, accélèrent tellement, qu'il se passe une révolution, une nouveauté dans notre évolution où il n'y a pas de chemin arrière. Ça fait peur avant, parce qu'on ne sait pas quelle sera cette transformation. Mais ça, on l'a vécu c'est un nombre incommensurable de fois depuis l'origine, quand les quarks se sont assemblés en atomes, quand les atomes sont assemblés en molécules, quand les molécules sont assemblées en cellules, les cellules en organismes multiples, que le vivant a inventé, enfin découvert et a développé son propre plan par l'ADN pour le transmettre et se conserver. À chaque fois, il y a eu l'apparition de nouveautés dans le vivant où il n'y a pas machine, possibilité de revenir véritablement en arrière. Donc on est dans une sorte de flow comme ça, et aujourd'hui, oui, on peut considérer qu'avec les nanotechnologies, les découvertes sur le bio, la découverte sur le cerveau, les découvertes actuellement dans ce qui s'appelle le deep learning, qui sont des réseaux de neurones qui arrivent à simuler la capacité de la pensée humaine avec même de la créativité, on peut se dire que s'il y a une forme d'accélération de ces technologies, il peut se passer des choses où l'évolution du vivant va connaître de nouveaux états, de nouvelles capacités, de nouveaux super-pouvoirs, un peu comme ceux que je citais auparavant, et on ne pourra pas revenir en arrière par rapport à ça. Est-ce qu'il faut en avoir peur ? Comme toute technologie, comme j'ai du mal à séparer l'artificiel du non-artificiel, du vivant du non-vivant, j'ai du mal à séparer le bien du mal. Très souvent, c'est l'usage qui en est fait. Alors, une petite anecdote par rapport à ça. On m'interrogeait sur justement la thérapie génique et l'abus humain que l'on pouvait avoir si on avait accès à ce pouvoir-là, à ce nouveau super-pouvoir de modifier le génome, ce serait une horreur. Parce qu'on tomberait dans un eugénisme et qu'on trierait comme ça nos fœtus. Moi, ça me choque, évidemment, comme tout le monde, parce que je n'ai pas envie de m'abroger des pouvoirs individuellement, de décider de qui est viable ou non. C'est une mentalité qui ne me va pas du tout. Par contre, est-ce que ça veut dire que la technologie doit être arrêtée ? Donc, qu'est-ce que j'ai répondu à ce journaliste ? Je lui dis, moi, je suis d'accord avec vous. C'est dangereux, en effet, la manipulation génétique, mais dans ce cas-là, je voudrais aussi, afin qu'il n'y ait absolument aucune capacité de sélection par le gène, que l'on supprime toutes les belles filles et tous les beaux mecs de la Terre. Parce que finalement, la nature fait sa sélection par cette capacité d'attirance qui nous semble naturelle, mais qui correspond simplement à une optimisation de la rencontre par rapport à la capacité de reproduction.
Donc le vivant, il est déjà là, sans morale, sans notion de bien ou de mal. Il cherche tout simplement à se conserver, il cherche à faire en sorte que ce qu'il a découvert, toutes les expérimentations qu'il a faites, perdurent et avancent sans se poser des questions du bien ou du mal. Et c'est là où moi je considère que la pensée transhumaniste a un rôle, c'est qu'elle ne va pas se poser a priori avec une posture de bien ou mal, en disant ça c'est mal parce qu'on peut faire du mal avec, ou ça c'est bien parce que c'est de la technologie, c'est qu'il faut intégrer cette pensée de progrès scientifique à notre culture pour pouvoir avancer avec. Et pour revenir sur cette sélection du génome, qu'est-ce qui doit être remis en cause? Est-ce que c'est la technologie de modification du génome ou est-ce que c'est la mentalité des parents qui vont chercher l'optimisation de leur progéniture? Là encore, dans la caricature transhumaniste, on va considérer qu'on cherche à améliorer l'homme. J'ai du mal avec ça. On va pouvoir créer de nouvelles capacités, on va pouvoir explorer de nouveaux territoires, mais la notion d'amélioration, j'aurais du mal à la définir. Comment est-ce qu'on peut savoir que c'est mieux ? La réparation, c'est OK. Le transhumanisme va chercher, en effet, à avancer pour dire on peut réparer l'humain, on peut considérer que comme ça se passe sur les siècles derniers, la vie va s'allonger. Ce ne sera pas quelque chose qui va apparaître du jour au lendemain, ça va évoluer, la longévité va probablement évoluer, et si c'est le cas, on préfère se poser la question dès aujourd'hui de savoir comment est-ce qu'on l'anticipe. J'avais eu le cas lors d'une conférence, une personne qui m'avait dit, je vous arrête tout de suite, l'allongement de la longévité c'est impossible, puisque qui payera les retraites ? Ça m'a un petit peu amusé parce que justement, ce qu'on essaye de faire dans cette pensée transhumaniste, c'est de se dire oui, ça va changer les modèles, oui, ça va créer de nouvelles façons de penser. Dans ce cas-là, il faut repenser le travail. Repenser le travail, ça veut peut-être dire repenser notre culture. Justement, des robots arrivent, commencent à faire le travail des humains. On voit ces mécanismes d'ubérisation, on voit ces mécanismes où aujourd'hui, justement, comme il y a des débats par rapport au travail, on va les remplacer par des voitures. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ? C'est mal vu d'aujourd'hui si on prend le travail de quelqu'un. Ça peut être très très bien si ça divise par 3 le nombre de véhicules qui sont disponibles et qu'on trouve des modèles économiques qui nous permettent d'avancer vers ça. Donc, moi, mon point de vue, et c'est pour ça que je considère qu'il n'y a pas un transhumanisme, mais des transhumanismes, et c'est celui qu'on essaye d'avoir au niveau de l'AFT, c'est d'avoir un regard critique, mais pas moraliste, sur l'accélération des technologies et qu'est-ce qui peut être fait avec pour en faire ensuite éventuellement un débat de société. On a quand même une posture qu'on va qualifier de technoprogressiste, qui va être que depuis l'origine, on constate qu'il y a eu des sauts par des révolutions qu'on peut qualifier de technologiques et qui nous ont amenés à ce que l'on est aujourd'hui. A contrario, je vais peut-être définir la pensée transhumaniste par son opposé. Que serait la pensée non transhumaniste ? Ce serait de dire que faut rien changer. Faut surtout pas changer. Là, l'être humain a atteint son point culminant dans l'évolution. Il ne faut surtout pas chercher des nouvelles technologies, il ne faut surtout pas modifier les choses qui fonctionnent telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui. Et là, j'y retrouve un petit peu cette pensée, ça va peut-être vous surprendre, parce que ce n'est pas trop la projection qui est faite d'un transhumaniste, mais une pensée qui va manquer d'humilité, qui va dire « ne changeons pas quelque chose qui fonctionne ». Si vous voulez, on peut en débattre après. Monsieur, si ça ne vous dérange pas, vous pourrez poser des questions après, n'hésitez pas. Moi, je pas. Suis ouvert au débat et je considère, comme je le disais, qu'il n'y a pas de séparation entre le bien et le mal. Très bien. On va faire du... Monsieur, si ça ne vous dérange pas de jouer le jeu, donc vous pouvez rester assis, poser des questions après. Vous pouvez sortir aussi, il n'y a pas de problème. Merci, monsieur. Merci. Je laisserai chacun en juger. J'inviterai au débat si vous le souhaitiez, parce que justement, comme j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, il n'y a pas de notion de bien ou du mal. Il y a une réflexion collective que l'on peut avoir aujourd'hui sur l'évolution de ces technologies. Et puis, si c'est des salades, ce que je raconte, c'est pas mal, c'est du bio. Finalement, on va retrouver la différence entre la technologie du jardinage qui va optimiser la pousse et puis quelque chose qui vient de la nature.
J'en étais où, je ne sais plus, de toute façon il doit me rester qu'une minute à peu près. Hein. Oui, c'était de considérer. Souvent, l'homme a peur de son futur parce que ben il y a un avantage que l'on a, quelque chose que l'on a, c'est qu'on connaît déjà notre passé. Donc, si on pouvait le conserver tel qu'il était, ce serait pas mal. Avancer vers de l'inconnu, vers des choses qui changent trop vite, c'est pas évident. Et c'est pour ça que très souvent, l'homme, pour conserver justement sa place au sein de l'univers, va définir lui-même des frontières, va définir ce qu'est le vivant. À une époque, il a défini ce qui était conscient et pas conscient, ce qui avait une âme ou pas une âme. Il posait comme ça des... Et à une époque, les Indiens d'Amérique n'avaient pas d'âme, ou les gens qui n'étaient pas catholiques n'en avaient pas. Et au fur et à mesure qu'il fait des découvertes scientifiques, ces cloisonnements tombent les uns après les autres. Et je reviens à cette idée qu'on est inscrit dans un univers qui évolue, que des choses vont continuer à évoluer, quoi qu'en veuillent certaines personnes. Et que ben il vaut mieux être proactif par rapport à ça, et donc ce sera la posture qui invitera au débat, puisque je pense que c'est là qu'il peut y avoir un débat entre est-ce qu'il faut être proactif par rapport à cette évolution ou au contraire être critique et réactif. Voilà. Merci Olivier Nérot. Donc je rappelle que tu es le vice-président de l'Association française de transhumanistes. Je le dis pour les personnes qui sont arrivées en cours. Je ne vais pas te poser de questions. Tu peux venir t'asseoir. On se posera des questions et on pourra réagir juste après. Je vais tout de suite donner la parole à Frédéric Néra, qui est philosophe, professeur dans le département de littérature comparée de l'université de Wisconsin à Madison, dans le Wisconsin, qui est auteur de plusieurs essais, dont tout récemment La part inconstructive de la Terre, critique du géoconstructivisme qui est publié au Seuil et qui aborde parmi d'autres sujets le transhumanisme et l'essai que tu avais publié juste avant parlait également des post-humains. Je t'invite à aller. Donc le principe pour ceux qui ne savent pas donc de la controverse, c'est 15 minutes pour chacun des deux personnes, des deux orateurs, et ensuite un moment de débat. Et je vous invite d'ailleurs à préparer des questions, des réactions pour la deuxième partie du débat, et à rester si vous avez même des oppositions fortes par rapport à ce qui se dit, parce que ça sera d'autant plus intéressant. Je regrette que ce monsieur soit parti. Frédéric. Bien, d'abord merci pour votre invitation. Je suis très heureux d'être là ce soir. Et je veux également remercier Olivier Nérot pour sa présentation, parce qu'en fait, je vous ai trouvé finalement pas très humain, en fait, hein, très humain et de bonne foi, et pas forcément toujours sûr de vous, donc ça m'a plutôt rassuré par rapport à votre humanité. Alors, et donc on pourra pour le coup partager des choses, et voilà. Alors, je voudrais d'abord revenir sur certains termes du texte qui sert d'appel à ce débat sur l'avenir bionique de l'homme de demain. Dans ce court texte que vous avez peut-être lu, il est dit que, je cite, « l'homme pourra et devra, je souligne, devra bientôt transcender son humanité ». Que signifie le fait que l'homme devra transcender son humanité ? De quel devoir est-il question ? Quel est cet avenir inévitable ? Qui nous l'écrit ? Qui nous le produit ? Qui nous force à nous transcender à coup de technologie ? Qui nous menace de représailles si nous nous avisions de contester l'avenir bionique ? Quel dieu obscur ou quel visage du destin ? Le progrès, écrivait Chesterton, consiste à se laisser pousser en avant par la police. Pouvons-nous échapper à cette police du destin technologique ? Car c'est un destin très spécifique qui est en jeu dans le courant transhumaniste. Pour ses promoteurs, la cybernétique, les nanotechnologies et l'ingénierie génétique permettront de produire un être humain amélioré, un humain transitionnel, ce que transhumain littéralement signifie, qui finira par donner lieu, si tout va bien, j'y reviendrai, à un véritable post-humain, c'est-à-dire une forme de vie qui, de par ses capacités cognitives et sa longévité, supplanterait les humains comme ces derniers ont supplanté les primates. Cette prophétie pose un certain nombre de difficultés que je voudrais examiner devant vous. Premièrement, cette approche valide une théorie de l'évolution extrêmement contestable et contestée par toutes les données récentes de la paléoanthropologie et de la biologie de l'évolution. En effet, l'évolution n'est pas une ligne droite. Elle ne consiste pas à passer d'une espèce unique à une autre espèce, tout aussi unique, par transformation linéaire, comme si le vivant était de la pâte à modeler. À l'opposé d'une telle image simplificatrice, l'évolution suppose un plan de variation immanente, un buissonnement d'espèces, et une sélectivité issue après coup
du rapport entre les organismes considérés et leur milieu. Autrement dit, le passage du singe à l'humain et de l'humain au post-humain relève plus d'un dessin animé de Walt Disney que d'une prise en compte scientifique sérieuse. Mais à cela, les approches transhumanistes pourraient répondre que le progrès scientifique permet aujourd'hui à l'être humain de se sélectionner lui-même, autrement dit de produire et de maîtriser sa propre évolution. En effet, on pourrait considérer que l'humanité a pu, grâce à sa production culturelle et sociale, sortir de la stricte évolution darwinienne. Grâce à la domestication animale, l'agriculture et la sédentarisation, l'humanité serait entrée dans une phase exo-darwinienne, il y a, disons, environ 10 000 ans. Cette phase exo-darwinienne aurait placé l'humanité hors de la nature. Mais, grâce au développement technologique accéléré du XXe siècle, l'humanité serait désormais entrée dans une nouvelle phase, non pas darwinienne, immergée dans la nature, ni exo-darwinienne, c'est-à-dire coupée de la nature, mais hyper-darwinienne, c'est-à-dire capable de refaire la nature, de la refaire entièrement, de la reprogrammer. Tel est, me semble-t-il, le fond de la thèse transhumaniste. Selon les transhumanistes, les êtres humains sont des êtres exceptionnels qui parviennent à refaire la nature, celle des corps humains, des corps animaux et du corps de la Terre. Grâce à la géo-ingénierie, à la biologie de synthèse, au développement technologique généralisé, les êtres humains auraient dissous la nature dans la grande machine bionique. Ils auraient mangé la nature pour la réinitialiser. Alors écoutez par exemple ce que disait Julien Lévy, professeur affilié à HEC, où il dirige le Centre Digital, au journal Le Monde le 11 février 2016, à l'occasion du 9e forum NetExplo consacré aux innovations technologiques. Je le cite. La frontière entre le naturel et l'artificiel est de plus en plus ténue. En Suède, l'Institut Karolinska travaille par exemple sur des neurones artificiels. Une autre citation. Il devient aujourd'hui très difficile de distinguer ce qui est de l'ordre de la biologie de ce qui relève de la technique, donc de la volonté humaine. Certaines innovations s'orientent en effet vers le transhumanisme, un homme fruit de la volonté de l'homme. Telle est, dit-il, je cite encore Julien Lévy, la tendance mondiale, la volonté de plus en plus forte de repousser les limites du corps en s'appuyant sur la technologie. Mais jusqu'où devons-nous accepter ce grand récit, ce mythe de la nouvelle humanité technologique et de la tendance mondiale qui la supporte? Jusqu'où les êtres humains sont-ils des êtres d'exception? Alors ce qui est certain, c'est que les êtres humains sont des êtres exceptionnellement capables de dénier leur statut d'être vivant. À ce que l'énoncé de Julien Lévy laisse entendre malgré lui. Repousser les limites du corps signifie, pour lui, dépasser le biologique. Mais cette phrase peut malgré tout laisser filtrer un autre sens. Repousser au sens de refuser, de refouler, de dénier les attaches du vivant, comme si ces attaches étaient littéralement repoussantes. Comme le note André Gorz dans sa lecture de la civilisation post-humaine, promise par l'alliance d'une science coupée du monde sensible et d'un capitalisme coupant les individus de leur puissance d'agir et de savoir, c'est une haine de la nature et de la vie que révèlent les projets qui donnent à l'intelligence artificielle le privilège de l'avenir. Ainsi, Marvin Minsky, spécialiste mondial de l'intelligence artificielle et des sciences cognitives, a pu faire état de, je cite, « son mépris et son dégoût pour cette meat machine, machine bidoche, que sont le cerveau et, je le cite à nouveau, cette saleté sanguignolante, bloody mess, qu'est le corps humain. » Pour le dire clairement, je crains que le transhumanisme ne puisse éviter de s'appuyer sur un ressentiment vis-à-vis du vivant. Cette tentative de coupure par rapport au vivant nous amène vers le point suivant. Jusqu'où le transhumanisme est-il capable de prendre en considération la question écologique? Je voudrais m'attacher ici quelques instants à la pensée de l'un des penseurs du transhumanisme, Nick Bostrom, à l'origine de la plusieurs fois réécrite Déclaration transhumaniste, cofondateur de la World Transhumanist Association et directeur du Future of Humanity Institute. Pas n'importe qui, donc. Bostrom prend en considération le fait que la possibilité évolutive qui pourrait nous conduire via le transhumain au post-humain, voire à la singularité, pourrait être gravement compromise en cas de disparition prématurée du genre humain. Et oui, effectivement, si les humains disparaissent, il n'y aura pas de transhumains. Il y aura peut-être des transfourmis, des transscorpions ou des transbactéries, mais pas de transhumains faute de combattants. Pour le coup, Bostrom insiste aujourd'hui sur les risques existentiels qui menacent l'humanité et l'écosphère en son entier. Un risque existentiel, écrit-il, est, je le cite,
l'extinction prématurée de la vie intelligente originaire de la Terre ou la destruction dramatique et permanente du potentiel sans lequel il ne peut y avoir nul futur développement désirable. De nos jours, nous dit Bostrom, les risques existentiels principaux ne sont plus naturels, mais anthropogéniques. Ils proviennent de notre aptitude à, je cite, « augmenter radicalement notre capacité à manipuler le monde extérieur et notre propre biologie ». Il est à ce titre intéressant de noter que Bostrom est conseiller extérieur au Center for the Study of Existential Risk de l'Université de Cambridge, un centre fondé par le philosophe Hugh Price, avec également Jan Tallinn, cofondateur de Skype, et l'astronome Martin Rees. Ce centre a pour vocation de forger la science qui pourra réfléchir aux dangers que constituent des technologies dont la spécificité est qu'elles pourraient rapidement échapper à notre contrôle et nous éliminer. Qu'un scénario jusque-là contenu dans les sphères de l'imagination industrielle d'Hollywood puisse donner naissance à un centre de recherche comptant parmi ses membres associés certains des scientifiques les plus importants du moment, entre autres Peter Singer et Stephen Hawking, est pour le moins inquiétant. Ce scénario nous invite en effet à interroger le fait suivant. Et si le risque existentiel qui nous menace le plus lourdement était notre incapacité à penser l'existence à distance du milieu technologique ? Je ne dis pas contre le milieu technologique, je ne dis pas contre la technologie, mais d'une manière non réductible à la technologie. Une telle pensée nous invite à faire la différence entre technologie et technique. La technologie, par exemple le téléphone portable, n'est qu'une ramification locale et terminale des dispositifs techniques qui concernent non pas seulement les outils et les machines, mais les pratiques corporelles, psychiques et anthropologiques des sociétés humaines. La fétichisation du technologique conduit à rendre incompréhensible le fait que ladite évolution des humains et des sociétés humaines est multiple, contradictoire aux temporalités hétérogènes. Au lieu de se demander ce que l'homme sera demain, il serait préférable, à mon avis, de se demander ce que les femmes, les hommes, les enfants, les animaux, les machines et les êtres de fiction auront réclamé en termes de justice et de vie en commun. Il est préférable de se demander en quels termes techniques et politiques ces demandes auront été ou non entendues. Alors je ne sais pas si l'homme de demain sera bionique, mais je sais que le bionique, autrement dit le rapport entre le vivant et l'artifice, doit être un enjeu de décision politique. C'est ce dernier point politique que je veux développer aujourd'hui. Le journal Libération rapportait ainsi en 2002 les propos de Kevin Warwick, professeur connu pour ses expérimentations cybernétiques sur son propre corps. Je cite ses propos. « La technologie risque de se retourner contre nous, sauf si nous fusionnons avec elle. Ceux qui décideront de rester humains et refuseront de s'améliorer auront un sérieux handicap. Ils constitueront une sous-espèce et formeront les chimpanzés du futur. » Auquel donc je compte apporter ma voix au chapitre. J'espère bien, disons, rester un bon chimpanzé dans le futur. Car on appréciera la comparaison et la distinction entre ceux qui sauront s'augmenter le corps et qui constitueront les surhommes de demain et ceux qui n'auront pas le capital nécessaire pour bénéficier des largesses technologiques. Ceux-là formeront une catégorie de sous-hommes indiscernables des singes. En outre, on sait ce qu'il est advenu des chimpanzés sous la domination planétaire des humains, une disparition programmée. Bref, ma question serait la suivante, jusqu'où le transhumanisme est-il réellement démocratique ? Alors en conclusion, je rappelle sur ce quoi j'étais parti. Je me demandais si transcender l'homme technologiquement est un avenir irrépressible. Ma réponse serait non. Il n'y a rien de nécessaire dans cet avenir-là. Il ne sera nécessaire que si nous y cédons. En revanche, rien n'empêche de concevoir les manières de ne pas confirmer l'être humain dans son amour idéal, et je dirais au fond spiritualiste, pour l'idole technologique. Je pense que les êtres humains pourraient peut-être apprendre à transcender leurs limites égocentriques en cessant de se demander narcissiquement comment s'augmenter et en se demandant à nouveau comment rendre le monde plus juste, plus beau et plus ouvert au vrai. La seule et vraie transcendance, à mon avis, est celle des idées qui touchent en nous la part d'infini. Je vous remercie. Merci, merci. Alors... Donc, je t'invite à venir t'asseoir, Frédéric. On en a parlé au début. Est-ce que, d'abord, l'un et l'autre, vous avez des questions l'un pour l'autre ou des réactions par rapport à ce qu'a dit l'un et l'autre, puisque vous aviez chacun préparé un peu vos éléments de langage, vos discours ? Non, on n'allait pas échanger, donc on est en train de découvrir nos postures. Et j'ai l'impression que là, c'est la même pensée qui se tisse, mais d'un côté ou de l'autre, du même tissu. Puisque tu finis ton discours sur cette prétention humaine,
Et on va avoir la même question, la question de l'introduction qui est le qui, en effet. De quel droit on peut s'autoriser à prendre en main notre destin ? C'est une question qui, je pense, va dépasser beaucoup le sujet de ce soir. Moi, je vais parler de ma posture. C'est de dire que, depuis l'origine, ça passe par expérimentation et qu'il faut conserver absolument cette capacité humaine à la curiosité permanente, mais sans préjuger des choses. Je me permets de te poser une question, mais ça n'empêche pas qu'on continue. En quoi elle est en danger ? C'est-à-dire, en quoi cette curiosité ou la recherche permanente, en quoi c'est en danger ? C'est une question que je me pose. D'avoir le vent en poupe totalement, d'être porté au nu, d'être valorisé, etc. Je ne vois pas en quoi... voilà. Porté au nu, non. La preuve, c'est qu'il y a eu un débat sur la salade tout à l'heure. Donc, non, ce n'est pas porté au nu, parce que ça soulève des questions de la place de l'homme dans son univers, tout simplement. Et ça soulève ses plus grandes peurs ancestrales. Est-ce qu'il va changer ? Est-ce qu'il va se perdre en changeant ? Est-ce qu'il va... Donc, ça soulève ses peurs et ça ne fait pas un consensus. Ça peut faire un consensus au moment où il faut se faire réparer, c'est-à-dire que si je suis face à la médecine, je ne vais pas avoir le choix. Je vais être dans cette démarche égocentrée qui est de dire « je veux encore un petit bout de vie, à moins que j'ai vraiment lâché prise ». Mais dans c'est Henri Laborie qui disait « la seule raison d'être d'un être, c'est d'être ». Donc je vais chercher à être, pas de façon égocentrée, mais tout simplement parce que je suis avec moi et que je me défends. Et donc, par rapport à la médecine, là, il n'y aura pas de débat. C'est-à-dire que s'il y a en effet une pilule magique, nanotechnologique, électronucléaire que j'avale et qui me redonne un crédit de 20 ans, on sortira des débats moraux. Donc, quelque part, je te rejoins, il n'y aura pas de choix par rapport à ça. Donc, autant anticiper tout de suite les évolutions sociales, individuelles, philosophiques que ça va engendrer si on se retrouve face à cette technologie-là. Et où sont les freins ? C'est que si on réagit, j'ai envie de dire que ça se passe au niveau, pas qu'au niveau technique aujourd'hui, ça se passe au niveau géopolitique, on est en train de développer nos peurs de l'autre, nos peurs de la pensée de la différente, nos peurs de la... on a envie de cloisonner, on a envie de ranger le monde, de mettre le bien d'un côté, le mal de l'autre, la technologie d'un côté, le vivant de l'autre, et puis qu'une fois que le monde sera bien rangé, heureusement l'univers est là dans sa diversité permanente pour tout rebrasser, et ça... En maths, il y a ce qu'on appelle la théorie des catastrophes qui rebrassera les cartes. Mais aujourd'hui, on a envie de dire la technologie, c'est bon ou c'est mauvais. C'est l'exemple que je prenais tout à l'heure par rapport à la volonté d'amélioration pour un fœtus. Est-ce que c'est la technologie qui est en cause ? Moi, je ne pense pas. On doit coévoluer. Un autre biais aussi que je vois, c'est qu'on a l'impression, tu l'évoquais un petit peu tout à l'heure par rapport à ce que pensait Hawking par rapport à l'IA, c'est que si on touche à Stephen ça... Stephen Hawking, donc voilà, le célèbre, et l'IA, c'est l'intelligence artificielle. Et Elon Musk aussi, qui a fait sa société pour anticiper l'évolution de l'IA, qui va très vite en effet. Hein. C'est vrai qu'il y a eu donc AlphaGo dernièrement qui montre qu'il peut y avoir de la créativité dans les AlphaGo, algorithmes. AlphaGo, le robot qui a gagné le champion de monde de Go. Et donc ils vont être vigilants, ils vont jouer sur nos peurs, comme on joue sur nos peurs aujourd'hui en géopolitique, c'est-à-dire que tel type de situation, attention c'est un méchant, il faut la police, etc. Donc là, on va faire la même chose par rapport aux robots et on va dire, attention, s'il veut arriver, il veut nous tuer. Attends, t'as dit, ils vont jouer sur nos peurs, j'ai pas su. C'est un inconscient collectif. C'est un inconscient collectif. C'est-à-dire ces objets vont jouer sur nos peurs ? Non. Je reprends. La personne qui va décider pour notre avenir, qui va, par exemple, un comité d'éthique, c'est très bien de réfléchir, et c'est ce qu'on va essayer de défendre. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il ne faut pas être motivé ou guidé par la peur. Par exemple, que des robots tueurs conscients veulent prendre la planète parce qu'on serait obsolète. Il y a d'années. Une crainte qu'avait exprimée Stephen Hawking en disant il faut faire attention que le robot ne devienne pas un robot tueur. Non. Ce qui est déjà un petit peu le cas des drones aujourd'hui. Le premier niveau, il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle pour faire un robot tueur. On prend un chariot, on met un truc qui tire dans tous les sens et on n'a pas besoin d'IA pour ça. Oui, mais aujourd'hui, il y a des technologies qui permettent de la reconnaissance faciale, il y a des drones qui en sont dotés. Bien sûr.
qui peuvent automatiquement décider eux-mêmes, en fonction d'éléments qu'on leur a programmés, donc de reconnaissance faciale, de tirer. Et c'est ce genre de choses, ce n'est pas un caddie qui tirerait tout seul. Mais je pense que ça, ce n'est pas lié à la question transhumaniste. C'est-à-dire qu'on peut le faire sans grande évolution technologique. Il y a des militaires qui sont comme dans des salles de jeu et qui vont shooter à distance. Et ce n'est pas la question transhumaniste qui est en jeu par rapport à... Ce n'est pas la posture de l'humain. C'est le fait d'utiliser des technologies pour tuer. Donc, je reviens par rapport au robot. Qu'est-ce qui va se passer ? Le premier degré d'affection pour une technologie, c'est le Tamagotchi. Ce n'est pas très dangereux, un Tamagotchi. Hein, c'est... Donc, pour ceux qui sont trop jeunes ou trop vieux... Il y a 10 ans, c'était des petits animaux virtuels. Et ça va évoluer. Et qu'il ça fallait va nourrir, très dont longtemps. Il fallait s'occuper, sinon ils mourraient. Voilà. Ouais. Et on va co-apprendre l'un avec l'autre par rapport à ça. Et si le robot évolue à un niveau équivalent au vivant, on peut imaginer qu'il y a des co-apprentissages qui vont se mettre en place et qu'on aura le temps de s'apprendre l'un l'autre. Alors, un mot peut-être de Frédéric. Peut-être deux. Oui, bien sûr. Et puis après, j'ai quelques questions à vous poser par rapport à ce que vous avez dit. Vas-y. En fait, non, c'est très intéressant ce que vous avez dit. Je sais pas si, bon, on se tutoie. Voilà, donc... Dans ce que j'ai essayé de dire, hein, j'ai pris des sources de personnes qui ne sont pas simplement des gens qui vivent dans des grottes, complètement dégagées de la civilisation. J'ai pris des scientifiques de pointe. Tu citais Elon Musk, par exemple. C'est intéressant parce que Elon Musk, il est plein de curiosité. Elon Musk, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est un chef d'entreprise sud-africain qui a participé à la création de PayPal. C'est ça, non ? Elon Musk est celui qui, en fait, est à la pointe de la conquête du New Space, donc celui, en fait, qui crée des voitures électriques, d'une part, et d'autre part, en fait, qui essaie aujourd'hui parce que la NASA s'est désinvestie de toute conquête spatiale, c'est aujourd'hui les entreprises, disons, qui ont en charge de pouvoir relancer des lanceurs, de satellites, etc. Donc Elon Musk, lui, c'est quelqu'un qui croit, donc ce grand entrepreneur de la Silicon Valley, il croit à la conquête spatiale. Et en même temps, il considère comme dangereux l'intelligence artificielle. Il est plein de curiosité, mais en fait, c'est quelqu'un qui nous dit, et je ne dis pas qu'il a raison, c'est quelqu'un qui nous dit, avoir peur n'est pas toujours idiot. Je crois qu'il est important. Par exemple, si on dit, demain matin, les petits hommes verts vont attaquer, si j'ai peur, je suis idiot. Par contre, si on dit, une centrale nucléaire, ce n'est pas complètement safe, ben, je crois que c'est quand même intelligent de se dire, oui, il est bon, par moment, d'avoir peur. Donc, c'est une question du cas. C'est une question de cas. Quelles sont les technologies qui peuvent être éventuellement dangereuses ? Quelles sont celles qui ne le sont pas ? Autrement dit, moi, ce que je demande simplement, et c'est un peu ce débat, c'est pour ça que c'est intéressant de discuter entre nous, c'est qu'on puisse discuter justement de les technologies que nous voulons promouvoir et celles que nous ne voulons pas promouvoir. Donc mon but, ce n'est pas de dire anti ou pro-technologie, c'est de trouver des critères collectifs, par exemple grâce à nos discussions, pour décider des technologies que nous voudrons développer et de celles que nous considérons comme étant ne devant pas être développées. Alors c'est là juste peut-être le différent qu'on a, c'est que dans vos discours, c'était assez clair, vous pensez qu'il y a une ligne évolutive. Moi, c'est ça que je conteste. Non, il y a un arbre, il y a un graphe. Je ne suis pas du tout dans une linéarité de l'évolution. Très bien. Dans des phases d'expérimentation. Bon. Le meilleur argument pour ça, c'est que s'il y avait une ligne, on pourrait aller au bout de la ligne. On saurait qui est le « on » au départ, qui pense notre avenir. Oui. Et puis, quelle drôle d'idée, s'il y a quelqu'un qui sait où on va, de ne pas y être déjà. Donc, ce serait un peu sadique. On est d'accord là-dessus. Donc, pour il n'y a pas une finalité à tout ça. Il y a par contre des expérimentations. Très vite, petite fin de parenthèse. Ça va être le terme de peur que je vais contester. Je vais parler de vigilance. C'est-à-dire qu'il faut avancer, il ne s'agit pas de... On le voit, hein, Marie Curie, même encore, son bureau est plein de radiation, etc., parce qu'elle ne savait pas. Par contre, elle a fait face à une curiosité phénoménale. Il y a une vidéo sur YouTube du gars qui a sauté pour la première fois de la Tour Eiffel pour tester un truc pour voler. J'ai une admiration phénoménale pour lui. Tout lui aurait dit, toute la raison lui aurait dit, et on le voit sur la vidéo, ne saute pas. C'est-à-dire que le bénéfice à court terme, c'est catastrophe, tu vas t'écraser en bas. Mais il a ouvert un champ de curiosité. Et c'est cette posture-là que je vais défendre. Je vais finir par une toute petite anecdote. J'avais chez moi, j'ai une galerie d'art digital où je présente de l'art technologique et j'avais une machine à couper les doigts. Et au départ, alors à couper les doigts, attention, hein, il ne s'agit pas d'un hachoir, c'était attention, ne mettez pas votre main sur la machine ou vous allez vous faire couper les doigts. Donc la personne était prévenue. Et au départ, c'était le thème des machines qui se révoltent et qui disaient voilà, je vais te couper un doigt parce que tu le sais. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la réaction des gens par rapport à ça. À la fin, ce n'était pas une machine qui pouvait couper les doigts. Pour moi, c'était un testeur d'humain. Parce que j'ai eu toutes les réactions.
J'ai une personne qui passe devant en me disant « ça sert à quoi ?» Je dis « ben à rien ». Et elle est partie. Il n'y a aucune curiosité. Elle a classé le monde en « ça sert, ça ne sert pas ». Contraire, j'ai eu des gens qui arrivaient, comme ce gars qui saute de la tour Eiffel avec ses pauvres draps, qui met la main dessus, qui dit « je veux savoir ». Je suis prêt à donner, je suis prêt à prendre un risque, mais je veux savoir. Et là, on va avancer. Tout comme les centrales nucléaires, elles n'apparaissent pas d'un seul coup. Il y a des expérimentations qui sont faites. Et en effet, on est confronté au réel, donc on ne va pas être dans le contrôle total de la technologie et il va falloir conserver cet état de vigilance. Je veux bien qu'on revienne sur certaines des idées, oui, Frédéric. Parce qu'il y a quelques points importants. Alors, dans ce que tu as dit, Olivier, tout à l'heure... Si je peux revenir sur un des points qui a été posé, parce que quand même dans la même idée, donc je veux juste continuer ce que je disais, sur la question du critère de distinction technologique, c'est à partir de ce critère-là qu'on va pouvoir reposer la question du bien et du mal. Car plusieurs fois, vous avez dit, en fait, ouais, le bien et l'image, j'y crois pas. Moi, j'y crois. Mais pas au sens où cette distinction serait inscrite de toute éternité dans des livres poussiéreux qui nous diraient depuis l'aube de l'humanité, voire avant l'aube, ce qui est bon et ce qui est mal. Mais en revanche, je considère qu'on peut décider que quelque chose est mal ou quelque chose est bien. Ce n'est pas impossible. C'est pas impossible de décider en situation par rapport justement à une vigilance instruite, parce qu'en fait, je suis d'accord avec vous, la vigilance, bien entendu, mais elle ne vient pas de nulle part. On n'est pas vigilant à tout instant, n'importe quelle situation. Sinon, on est paranoïaque, il faut prendre des médicaments, ça ne va pas, on a un grand monde de dépression. Par contre, la vigilance, elle est instruite par certaines peurs, c'est-à-dire par certains faits réels, par certaines choses qui sont avérées désastreuses. Donc, repense aujourd'hui les critères de ce qui permet de dire « ceci est mal parce que finalement, pour en revenir à ton point, la décision qui relève de mon existence sera entre les mains de gens qui décideront pour moi. » Ça, par contre, pour moi, c'est du côté du mal, par exemple. C'est du côté du mal lorsqu'on décide pour moi-même. Une autre façon de penser le bien et le mal. Vous avez dit à un moment donné, au fond, si on me donne 20 ans de crédit supplémentaire, je prends. Pas certain. Heureusement que l'humanité a prouvé qu'à certains moments donnés, je suis sûr que vous-même, vous feriez la même chose, vous pouvez mettre votre vie en jeu. Hein, la sacrifier, pourquoi pas, pour des proches, pour des gens que vous aimez. Donc en fait, ce n'est pas forcément votre survie et votre égoïsme ou mon égoïsme qui sera mis en avant, mais il arrive dans certaines situations que des valeurs nous apparaissent comme plus importantes que notre simple survie. Hein. Donc se transcender, ce n'est pas simplement se transcender par la technologie, c'est se transcender aussi au nom de valeurs que l'on considère comme étant de l'ordre du bien. Mais ce bien, il est à discuter. Je suis d'accord, je vais essayer d'être rapide. Ouais, ouais. On a le temps, hein, mais j'ai des questions. En effet, quand je prenais l'exemple de « je prends », c'est une caricature, c'est une posture réflexe. Après, si on pousse le débat plus loin, oui, en effet, le don de soi, le sacrifice, la curiosité, peut-être pour un après, tout peut exister dans un champ humain. Je dis simplement qu'il ne faut peut-être pas s'interdire l'évolution vers cette technologie-là. Pour la séparation binaire bien-mal, personnellement, je vais être plus dans une posture dite systémique. C'est-à-dire qu'en cherchant à faire le bien, je fais un peu de mal. Qu'on va être encore dans un continuum. La centrale nucléaire, oui, elle crée des déchets, mais en même temps, elle a permis de connaître les radiations qui soignent d'un autre côté. Je vais prendre, c'est des lieux communs, c'est un petit peu... Mais tout ça pour dire qu'on ne peut pas décider a priori de ce qui sera radicalement bien ou radicalement mal. Le langage a changé notre façon, a modelé notre cerveau, a changé notre façon d'interagir. La vue a changé notre monde. Enfin, à chaque fois, il y a eu des transfigurations du vivant qui fait que le monde change. Et aujourd'hui, moi, je ne vois pas de quels critères on peut dire c'est bien ou mal aujourd'hui. On est dans un continuum et ça va évoluer. Par contre, il faut tendre vers le bien qu'on peut définir éventuellement, évidemment. Et dernier, je finis avec Elon Musk. Elon Musk, sud-africain, oui, d'origine, je le précise quand même, patron de Tesla et de SpaceX, voilà. Et qui a commencé à faire fortune, en effet, via ses investissements dans PayPal et qui est voilà. Ce qu'il dit, et je vais le rejoindre tout à fait, c'est que il faut pas laisser la puissance de l'IA à n'importe qui. Il faut pas laisser faire. Il faut pas dire aux militaires « Hey, génial, vous faites des drones tireurs à reconnaissance faciale parce que justement, ça n'a pas été une question de société. » Lui dit « Il faut se réapproprier ça parce que le jour où cette technologie fait la différence, ce sera excessivement dangereux. » Et là, pour moi, ce sera en effet une technologie pas bonne puisqu'elle donnera du pouvoir exclusif à certains. Maintenant, des drones à reconnaissance faciale, bon, bah peut-être qu'il y a des choses sympas à faire avec, des alertes, peut-être que l'humain
justement, qui sort de cette logique de guerre, d'opposition, de ranger le monde, de dire « toi, tu es l'ennemi », et la preuve que tu es l'ennemi, c'est que... D'accord, madame. Si ça ne vous dérange pas, je prendrai des questions après. Comme disait Desproges, hein, l'ennemi, il est bête parce qu'il croit que l'ennemi, c'est nous. Donc, okay. C'est alors, c'est je voudrais ça revenir faut... sur quelques idées ou quelques, certaines des choses que vous avez dites, et puis après, vous posez peut-être à chacun une petite question personnelle pour éclairer, et puis on prendra... Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Oui ? Ouais. Ok, super, on prendra quelques questions. Tu as dit l'évolution existe depuis toujours, tu as repris plusieurs fois cette idée de continuum. Pourtant, une des choses qui est frappante, une des choses qui sont frappantes dans le transhumanisme, c'est cette idée de singularité, tu l'as évoqué. Donc ce moment en fait, d'accélération, alors c'est la première fois que j'entends que c'est quelque chose qui a eu lieu plusieurs fois. Pour moi, la singularité, c'était donc un moment où l'évolution est telle qu'on va passer un cap et que l'accélération des évolutions va être extrêmement rapide, etc. Singularité qui, je précise, a donné le nom d'une sorte d'université qui est Singularity University. Voilà, singularité. Non, elle est ouverte. Hein, voilà, qui est ouverte, mais qui est portée par Raymond Kurzweil, soutenue par Google, qui a alimenté beaucoup les idées un petit peu, pas sectaires, mais voilà, le côté un petit peu clanique de. On peut dire radical, voilà, oui. Voilà, de attaché au transhumanisme, qui d'ailleurs est un peu porté dans le nom transhumanisme. Je vais revenir sur Qu'est-ce point que c'est cette idée de singularité et Je vais revenir sur ce point parce que ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure. Cette singularité, c'est ce point de non-linéarité, justement. C'est un point de non-retour. Mais... Alors, non-retour, pourquoi ? Je vais l'expliquer par un schéma. On va prendre la théorie de René Thom, la théorie des catastrophes. C'est-à-dire qu'en gros, l'univers, il est sur une nappe et on se promène sur cette nappe. Et notre avenir, c'est l'évolution de tout notre univers là, sur cette nappe-là. Cette nappe, elle peut avoir des plis. Ce qui fait que de temps en temps, si je m'approche très légèrement d'une fronce, d'un pli, bah, je vais chuter. Je ne vais plus être dans une évolution linéaire. Il va y avoir une rupture. Et il n'y a pas de retour en arrière. Je ne peux pas revenir. Ça va me demander énormément d'efforts de revenir. Tout simplement parce que à ce moment-là, le changement radical qui est fait, fait que on revient pas en arrière. Je veux dire, quand le vivant est apparu, quand les cellules ont réussi à maintenir leur structure, c'est ce qui va définir le vivant. C'est-à-dire que le galet, si je le casse, il va pas essayer de se recoller, alors que le vivant va essayer de se réparer. Alors ce critère d'autopoïèse, une fois que la matière, je dirais, découvre cette propriété-là, elle a pas envie de revenir en arrière en disant non, je vais faire le galet. Je fais le galet, puis je vais faire exprès de pas me réparer. Donc c'est ce point de non-retour qui apparaît. Moi, je le voyais vers le haut, en fait. Mais... Alors, ça dépend. C'est vers le haut, ça sera peut-être plus joli à avoir. Dans la pensée transhumaniste, donc cette singularité, c'est le moment où le biologique rencontre les nanos, c'est ça ? Enfin, c'est quoi, en gros ? Qu'est-ce que c'est ? Il y en a. Alors, on pourrait, pour faire du grand public, tel que ça peut être fait par Kurzweil et par d'autres, on peut annoncer que donc le Raymond 23... Kurzweil, qui est employé par Google et qui est un des... Que le 23 août 2045, les IA... Bon, c'est pour faire de la com. Hein, c'est... quand on en parle entre nous, personne ne sait quelle sera cette singularité. Sinon, on connaîtrait notre avenir directement. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a des accélérations aujourd'hui en IA, en nanotech, en médecine prédictive, en réseaux sociaux aussi, cette façon de s'agréger les uns et aux autres, même en crypto-monnaie, en connaissance, même en théorie. Il y a ce qui s'appelle la théorie de l'information intégrée qui essaye de montrer que la notion de conscience est un continuum dans la matière. C'est très intéressant. La quantique aussi peut permettre de connaître justement la matière au cœur pour pouvoir en faire de nouvelles choses. C'est la convergence de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a une sorte d'eureka qui fait dire « Waouh !» Avec ça, voilà. Est-ce qu'avec ça, on répare le vivant, on devient immortel ? Alors immortel, bon, à longévité augmentée. Est-ce que ça nous donne la capacité, au-delà du langage, de communiquer les uns avec les autres ? C'est, voilà, je ne sais pas. Question à Frédéric. Donc Frédéric, tu t'es totalement prêté au jeu, donc tu as un peu tourné en dérision les transhumanistes, voilà, tu as joué le jeu à fond. Mais une question quand même, les réalités qui sont décrites, quand on lit le site de Technoprog, etc., sur l'évolution, sur les questionnements, vous êtes extrêmement prudent dans tout ce que vous dites. Vous dites on s'interroge sur l'avenir, on milite pour certaines choses, etc.
ces évolutions, l'accélération de certaines évolutions, toutes ces questions-là sont quand même des vraies questions. On peut douter des explications transhumanistes, mais les questions demeurent. Qu'est-ce que c'est le regard du philosophe ou ce que peut apporter le philosophe à ces questionnements, à ces accélérations, au fait qu'une entreprise comme Amazon emploie plus de robots peut-être que d'humains aujourd'hui pour préparer les colis qu'on va commander, enfin des qui sont des vraies questions sur le travail, l'avenir du travail, de l'emploi, etc. Qu'est-ce que c'est le regard du philosophe sur ça? Et est-ce que critiquer le transhumanisme, c'est une des voies où il faut voir un peu plus large? Il faut voir plus large. Non, mais parce que, oui, alors s'il est prouvable que certaines choses s'accélèrent, bon, la première fonction de la pensée, hein, c'est de décélérer un peu. Ça te commençait un peu à desserrer ce mouvement dans lequel on serait soi-disant pris pour se demander ce qui est en train de se passer. Hein, donc, puisque vous avez rappelé gentiment que j'avais un certain rapport à la philosophie, c'est ce qui m'aide peut-être de faire un écart par rapport à ce qui serait une ligne droite qui nous conduit, d'ailleurs, pour cela même qui l'a produit, cette ligne droite dans le mur. Donc, autrement dit, je m'intéresse de très près à ces technologies. Je pense avoir, mais encore une pourquoi, fois... Pourquoi, par exemple, qu'est-ce qui nous conduit dans quel mur? C'est ça que je ne comprends pas, par exemple. Ouais. Voilà. C'est quoi le mur? Pourquoi on... Ouais. le mur, c'est celui que nous construisons, en fait. Ce qui est formidable, c'est que nous construisons le mur, l'arme à feu, le tombeau, et puis nous produisons même, d'ailleurs, le discours funéraire après, quand nous ne serons plus là. C'est vraiment, nous avons, l'humanité a une capacité absolument incroyable à scénariser sa propre fin. Non, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que ce sont les technologies mêmes et l'accélération même qui est en jeu, qui nous oblige aujourd'hui à, encore une fois, essayer d'éviter que la technologie soit simplement au service de la destruction. Ce que je tente de dire, c'est qu'au fond, s'interroger sur le devenir technologique, c'est s'interroger sur les fins de la technologie. Hein, et donc s'interroger sur la manière dont nous les laissons soi-disant se développer elles-mêmes, ce qui est un mythe, puisqu'en fait, elles sont développées en fonction des images et du désir que tente de produire l'économie capitaliste, qui nous dit finalement voici l'avenir désirable, voici la singularité. On ne sait pas quand elle adviendra, mais elle adviendra. Désirez-la, désirez votre immortalité et, si possible, payez cash. C'est-à-dire payez dès maintenant dans les technologies que nous, chers entreprises, nous voulons développer. Donc, s'interroger sur aujourd'hui les technologies, c'est s'interroger sur celles, encore une fois, j'insiste, celles que nous voulons et celles que nous ne voulons pas, et c'est s'interroger sur la manière dont les technologies pourraient, encore une fois, je le redirai, être au service du vivant. Et c'est donc ce critère qui me permet de pouvoir dire, disons un premier critère, ce n'est pas le critère définitif, qui permet de pouvoir dire que, par exemple, certaines technologies sont plutôt du côté de la mort que du vivant. C'est-à-dire ? Par exemple. Par exemple, vous avez aujourd'hui une technologie de pointe qui est la technologie de la déextinction. Alors voilà, c'est une technologie qui est rattachée à la science dite biologie de synthèse, qui envisage, en cas d'extinction d'espèces, de pouvoir, à partir d'un ADN fossile, recréer une espèce disparue. Alors on dira formidable, vous voyez, c'est encore mieux que Jurassic Park ou Jurassic World. Le problème, bien entendu, c'est que ces technologies qui semblent du côté du merveilleux nous fascine au point de ne pas voir que si nous tombons dans le panneau publicitaire de la fascination pour les technologies de la déextinction, nous serons dans l'incapacité de protéger ce qui existe, c'est-à-dire d'éviter la dégradation de la biodiversité. Alors, est-ce que vous souhaitez poser des questions maintenant? Oui, il y a beaucoup de... je vais prendre une question derrière, il avait levé la main avant. Monsieur, au milieu, ça va? Alors, on va vous passer un micro. Oula. Allez-y. Alors, je dirais qu'il y a deux manières de faire du transhumanisme. Il y aurait d'abord, par exemple, en redonnant la vue à un aveugle, en permettant à un infirme de marcher de nouveau grâce à une machine. Tandis que la deuxième manière serait d'améliorer la vue de quelqu'un, d'augmenter sa vision. Mm-hmm. Alors, monsieur, je ne me souviens plus votre nom, mais celui qui fait de la philosophie. Olivier. Frédéric Nera. Frédéric Nera, vous avez dit que le transhumaniste est dans une posture de ressentiment vis-à-vis du vivant, mais ne serait-ce pas refuser le transhumanisme
a priori, qui serait dans une posture de ressentiment, car on accepterait d'un côté qu'on redonne la vue à un aveugle, donc permettre aux faibles de se mettre au même niveau que tout le monde, et puis refuser le deuxième aspect du transhumanisme, améliorer la vision, et donc refuser que quelqu'un se mette plus haut que nous. Merci pour cette question. Oui, merci. Une réponse très rapide, en fait. Hein, juste, en fait, je ne suis pas contre la médecine. Et la médecine a existé avant le transhumanisme. Donc, je suis entièrement d'accord. Et le serment d'Hippocrate est un serment, vous voyez, qui base tout de même la capacité d'un médecin de pouvoir faire en sorte que quelqu'un qui soit malade puisse être guéri. Alors, il faudrait interroger la médecine ici. Hein. Il faudrait interroger la médecine, quelque chose qui n'est pas forcément rattaché au transhumanisme. Et il faudrait aussi interroger dans la médecine contemporaine, je dirais, non seulement le droit à la vie, mais le droit à la mort également. C'est-à-dire qu'au bout du compte, le ressentiment dont je parle, c'est celui en fait qui fondamentalement dénie la mortalité à l'œuvre chez l'être humain. L'exemple que vous prenez, c'est l'exemple justement d'une atteinte. Hein, le vivant qui, à un moment donné, un corps vivant qui se trouve dans une forme de déficience. Et cette déficience, en fait, elle fait éprouver au corps vivant sa limite, le fait qu'il n'est pas infini, qu'il n'est pas illimité, qu'il n'est pas un dieu, en fait. Donc, ce que je demande simplement, c'est de prendre ça en considération et de prendre soin de cette limite avec les technologies qu'il faut. Mais pour reprendre la question, garde le micro. Donc la question du jeune homme était, donc est-ce que on doit permettre à la médecine de soigner un déficit visuel par une manière et interdire que cette méthode pour soigner le déficit visuel soit utilisée pour augmenter les capacités visuelles de l'être humain? Ça, c'était une question concrète. Est-ce que comment tu réponds à ça? J'imagine que tu n'as pas de réponse oui ou non, mais comment est-ce qu'on peut répondre à ça? Je suis désolé, donc c'est la différence entre soigner et augmenter? C'est ça, hein, c'est ça, je ne me trompe pas. Hein. Ah, désolé, oui. D'accord, je n'ai pas compris ce que vous dites, je suis vraiment désolé. Je sais pas, je n'ai pas de réponse à donner maintenant à ça, donc désolé. Je peux essayer, parce qu'en effet, c'est un peu le cœur du débat et c'est une frontière qui est très floue. Justement, est-ce qu'elle est si floue que ça? C'est un peu ça aussi le cœur du débat. J'essaye de rassembler un petit peu mes idées par rapport à ça. Je l'évoquais tout à l'heure, la notion d'amélioration, c'est toujours dans un contexte et selon un point de vue. Qu'est-ce qui me choquerait, moi, c'est qu'on fasse une société, en effet, sous forme de dystopie, on va nous imposer la dernière, tu l'évoquais tout à l'heure, dans une sorte d'univers hypercapitaliste, nous imposer la dernière lentille XZ 2003 comme étant un bienfait pour l'humanité et qui devient quasi obligatoire parce que sans ça, on est des futurs chimpanzés du futur, en effet. Et ça, ok, on est d'accord pour éviter ce type de modèle-là. Maintenant, que veut dire réparer ou améliorer ? J'ai vraiment un souci avec ce terme d'amélioration. Pour moi, c'est un choix individuel. C'est, par exemple, je peux avoir la satisfaction de voir la nuit, il y a une technologie qui m'est proposée. Si dans mon choix individuel, il y a une technologie qui me permet de le faire, simplement avec une petite lentille, pourquoi pas ? Ça va peut-être éviter des accidents et ça va peut-être éviter des morts. Je dirais, ça ne va pas me choquer en tant que tel qu'on fasse évoluer les choses. Ça va être une question de temps, parce que... nous, on a évolué depuis des millions d'années, on a optimisé nos os, nos rouages, nos nerfs, etc. Là, ce qui se passe, c'est que ça va se passer dans un temps court. Donc, c'est ça qui va un petit peu nous choquer. Je reviens sur ce thème d'améliorer. Il y a des gens qui peuvent faire le choix de ne pas mettre de lentilles, justement, parce que ça, j'ai une amie, par exemple, qui est peintre, qui a une vue qui est absolument catastrophique, et justement, sa créativité vient de la contrainte de sa propre vue. Et elle n'a pas envie, elle ne met même pas ses lunettes, ça l'amuse même de chercher dans un univers. On sait en plus que dans le cerveau, il y a 70% des neurones qui proviennent du cerveau vers les aires visuelles. Donc on est en phase de reconstruction permanente du réel. On sait que chez l'aveugle, il y a une reconstruction d'image mentale qui est faite. Donc ce sera difficile de trancher entre réparer et améliorer. Je suis désolé de reprendre encore cette métaphore, mais je le vois encore comme étant... tout un champ de potentiel dans des choix individuels, et je reviens sur ces choix individuels. Pour la technologie, notion de bien et de mal et cette approche justement capitaliste du bien et du mal, est-ce que c'est bien de faire, comme le fait Elon Musk, des véhicules avec Uber, des véhicules automatiques qui vont remplacer Elon les Musk emplois. Il fait pas ça. Hein. Hein Elon non, Musk, mais... avec Tesla, il fait juste des véhicules électriques. Il a l'accord pour pouvoir diffuser ces véhicules-là. Premier degré, ça va être c'est pas bien parce que ça prend l'emploi de quelqu'un.
Deuxième degré, il y a des économistes qui y réfléchissent aujourd'hui, qui disent il peut y avoir un nouveau modèle économique où la voiture, attention, ça surprend, s'appartient à elle-même. S'appartenant à elle-même, elle crée un profit, elle va choisir les algorithmes qui vont la réparer, et créant ce profit, on le répercute, on le redistribue aux individus, et on fait les prémices d'un dividende universel. C'est une façon de penser hors du système et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire de bien avec ça. J'ai envie de finir justement là-dessus en disant que cette technologie, c'est ce que l'on va en faire. Ce qu'il faut absolument, par rapport à la puissance qui s'annonce, c'est avoir cette vigilance pour que ce ne soit pas quelques-uns qui se l'approprient comme étant un pouvoir supérieur, parce que ça offre beaucoup mais de pouvoir. Mais ce que répondent les penseurs, cette technologie, c'est pas ce qu'on va en faire, c'est ce qu'on a voulu qu'elle soit aussi. C'est ça le fond du débat. C'est-à-dire que les technologies ne naissent pas par nature. Oh, elles sont aussi ce qu'on a voulu mettre dedans, les idées qu'il y avait derrière, etc. Il y a des petits hasards, il y a des petits... La voiture autonome, c'est très bien, ça se divise par 3 ou par 4 le nombre de véhicules, ça résout les problèmes d'énergie, c'est... Et ça enlève 3 millions ou 4 millions d'emplois dans le monde. Oui, mais la notion d'emploi, réfléchissons aussi ici. Le transhumanisme réfléchit aussi à des modèles sociaux. La notion de travail peut être remise en cause. Comment... Voilà, ce serait d'autres débats encore, mais... Mais la notion d'effort 8 heures par jour pour est-ce que c'est un bienfait, est-ce que c'est un bien ou un mal, c'est un débat entier ça là-dessus. Frédéric, un mot ? Non ? Ouais. Il y avait deux phases par rapport à Uber, il y en a une troisième, c'est quand les gens en fait sont absolument détruits par cette technologie économique, par exemple pour les taxis américains, je pensais à ça. Donc deuxième phase, moi je rajoute une troisième phase à votre deuxième phase. La troisième, c'est en fait au bout d'un moment, c'est tellement l'horreur comme type de travail qu'ils décident d'en fait d'avoir un travail de taxi comme les autres, parce qu'en fait ils n'ont pas de sécurité sociale, parce qu'en fait bon. Donc il y a une troisième phase après la phase de destruction, parce que vous avez parlé de création destructrice ou de destruction créatrice. Oui, la phase de destruction en jeu dans ce type de, comment dire, d'ultra-libéralisation de la société me semble devoir être mise en avant. Pour rappeler, peut-être je commence à avoir maintenant une ébauche de réflexion ou de réponse par rapport à la question précédente, la grande illusion, et l'idéologie qui est derrière cette grande illusion, c'est de laisser croire que les individus sont devant leur propre choix et qu'en fait, ils auront à consommer ou non les manières de s'augmenter. Ça supposerait effectivement qu'il y ait une égalité préalable qui n'existe pas. Donc, les décisions consistant à savoir si je vais pouvoir m'augmenter le cerveau ou pas sont aussi liées à mon compte en banque. Tu n'es pas si fourni que ça. Alors, s'il vous plaît, vous avez déposé une petite feuille là. Oui, excusez-moi. D'accord, mais je vais vous donner la parole, madame. Si vous êtes un tout petit peu patiente, on prend les questions au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Alors, il y avait monsieur là-bas, ensuite je donnerai la parole à madame, monsieur et monsieur. Ok. Oui. Bonjour, merci. Bonjour. Merci pour ce débat. Alors évidemment, on est juste en train pour l'instant d'assister à une discussion entre moderne et ancien en 2016 sur le point purement technique. Je voudrais juste aller un tout petit peu plus loin et vous demander de redéfinir ce que c'est exactement que le progrès, puisque finalement, c'est la base, à mon avis, de toute la question qui se pose ce soir. J'ai l'impression, monsieur Néraud, que pour vous, le progrès, c'est d'aller toujours effectivement plus loin dans la découverte de nouveaux possibles techniques, en l'occurrence. Et puis, j'ai l'impression pour vous, monsieur Néra, que la question est plutôt de répandre le progrès actuel au maximum de personnes. En un mot, j'ai l'impression qu'au transhumanisme, qui consiste à une minorité à avoir la vie la plus belle possible, ou en tout cas optimisée, s'oppose l'humanisme, tout simplement, qui consiste à ce que tout le monde ait une vie peut-être moins optimisée, mais équitable et juste. Et donc votre question, c'est alors, le progrès pour vous, messieurs, c'est quoi ? Alors, définir le progrès, et on Je est sais en pas 2000... si ça se définit le progrès, mais... Oui, non, mais entre ces deux options, entre aller toujours plus loin ou répartir mieux le progrès actuel, d'accord, dans la mesure où, de toute façon, rien ne se crée, rien ne se supprime, enfin, tout se transforme, bref. C'est bon ? Merci beaucoup pour cette question. Je vais répondre un tout petit peu. En effet, il y a des philosophes qui travaillent sur la notion de progrès. Ce ne sera pas évident, puisque la notion de progrès va en effet segmenter entre bien et mal. Progrès, ce serait aller vers des nouveautés
qui sont de mieux en mieux. Par contre, je ne serais pas d'accord sur cette idée que nous, on cherche un progrès que pour quelques-uns. C'est vraiment le point de vue qu'on... On a même le point de vue totalement contraire à l'AFT. C'est de dire, on va communiquer sur les technologies, on va les faire connaître, pour que justement, ce ne soit pas l'apanage de quelques labos secrets permettent d'avoir une pilule que pour quelques-uns. Et on est vraiment à l'opposé de cette pensée-là. Maintenant, je vous rejoins, il y a les deux postures. Comment est-ce qu'on va, on va dire, comment peut apparaître un progrès pour l'humanité ? Il y a deux points d'entrée, ça va être par l'individu ou par la société. Ce qui est bien, c'est de trouver l'équilibre entre les deux, et il y aura des vagues. On le voit aujourd'hui, la plupart des technologies coûtent des millions au départ pour en faire quelques exemplaires, et puis ça finit par faire quelques dizaines d'euros, et ça se voit de plus en plus, et ça va de plus en plus vite. Donc moi, je crois qu'il y a un espoir derrière tout ça, pour que justement toutes ces nouveautés soient accessibles au plus grand nombre. Un autre exemple, moi, qui m'avait choqué, le coût de la guerre en ce moment permettrait de résoudre tellement de choses. Et ce n'est plus la question de la technologie. À ce niveau-là, ce sont des choix de société. On fabrique des choses pour aller les faire exploser qui coûtent des millions d'euros. C'est une pure horreur. Peut-être que ça, on le sait aujourd'hui, mis au niveau de la recherche, ça permettrait d'avancer grandement. Mais vraiment pour tous, ça j'insiste. Merci. Frédéric, oui, un mot. Madame, ça, ensuite d'accord. Votre question. Juste, je suis d'accord et puis monsieur. Sur le progrès. Ah non, madame, attendez, excusez-moi, laissez monsieur répondre. Si juste sur la question du progrès, je suis d'accord sur la question de la guerre, je pense qu'il faudrait supprimer le budget de la défense, comme ça. Bon, mais alors, je suis d'accord sur la distinction, les deux types de progrès possibles, le progrès pensé en termes d'évolution technologique, ou bien le progrès qui implique, qui exige de penser la question du qui. Et La seule distinguo que j'aurais par rapport à ce qui a été proposé comme catégorie, double capacité, double possibilité d'entendre le terme de progrès, c'est que je ne suis pas certain que je me situerais du côté des anciens, sauf à insister sur le point suivant, la question de revenir en arrière. Olivier Néraud a insisté sur le fait qu'on ne pouvait pas revenir en arrière, bon, la question de l'irréversible. Mais par contre, on peut faire revenir le passé. Ça, c'est quelque chose de très différent. Si on ne peut pas revenir en arrière, j'imagine que toutes les personnes ici dans la salle, à moins qu'il y ait des robots particulièrement bien dissimulés, toute personne ici dans la salle a la capacité de pouvoir solliciter sa propre mémoire. Donc on peut faire revenir le passé, en fait. On peut avoir un rapport à ce qui a eu lieu, qui ne soit pas forcément un rapport de type réactionnaire, mais un rapport qui consiste à essayer de montrer que dans ce qui a eu lieu, dans le passé, certaines promesses de progrès politique n'ont pas été tenues. Alors je me situerais comme quelqu'un qui considère que la fonction, par exemple, d'un intellectuel, c'est d'aller chercher aussi dans le passé certaines bifurcations qui n'ont pas eu lieu, certains projets politiques qui ont été laissés en plan, parce que en fait certains discours dominants nous ont dit non, ce plan-là on n'en veut pas. À la place, on voudra faire le choix du feu. À la place, on voudra le pétrole. À la place, on voudra le nucléaire. Et on va vous faire croire que tous ces choix en fait sont des choses absolument implacable et irréversible. Moi, mon rapport au passé est absolument différent. Je dis, retournons dans le passé et faisons-le bifurquer autrement. Je vais être d'accord. Je pense que notre avenir n'est pas fait que de futur. Il faut justement conserver notre mémoire et nos expériences passées. On est d'accord. Et je reviens là-dessus. Je finis la petite parenthèse sur le fait que sur ce passé-là, j'aime les bonnes choses, j'aime tout ce qui s'est bien fait. Le vivant a des mérites extraordinaires qu'il ne faut pas détruire. On est tout à fait d'accord là-dessus. Tant mieux. Madame, alors vous avez un micro, il faut l'utiliser parce qu'on est enregistré en même temps et pour que tout le monde vous entende. Merci. Bien, il se trouve que j'ai fait une photocopie que vous avez sous les yeux maintenant. Oui. Je viens de la faire au niveau 2 de Pompidou, et ça sort de l'International New York Times d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Donc c'est tout à fait actuel. Merci. Et il s'agit d'une chose qui m'a beaucoup étonnée, et les drones
qui prolifèrent, et vous savez ce qu'ils font éventuellement, c'est-à-dire qu'ils lâchent des bombes ici et là, n'est-ce pas, dirigées depuis les States. On en a même parlé à certains moments. On en a parlé, bien. Alors, ces drones, eh bien, les Dutch companies, c'est-à-dire des Néerlandais, je présume, ont dressé des animaux, un aigle, qui est un animal, un oiseau prédateur, eh bien, on dresse les aigles pour qu'ils aillent attraper les drones en vol. Et c'est la photo que vous avez sous les yeux, ce qui est sidérant, d'accord, tout de même. Voilà. Juste en un mot, qu'est-ce que vous souhaitiez illustrer par cette... Ce que je souhaite illustrer, c'est que le drone, c'est une invention tout à fait ultime, j'ose dire, n'est-ce pas, de la technologie, et que maintenant, mondialement, ça se répand, et ça peut faire ceci, cela et le reste, vous ne l'ignorez pas. Oui. Et que bon, il faut trouver comme moyen pour lutter contre ça, il faut trouver... Des aigles. Des aigles, okay. Voilà. À défaut d'autre chose. Ben, merci pour cette contribution. J'adore cette image. Et la question, c'est ma question, qu'est-ce qu'il va faire avec le drone, l'aigle ensuite? C'est ça la question, hein? Puis j'imagine que s'ils font des drones plus gros, ça va être compliqué pour l'aigle quand même. Il y a aussi des drones monsieur, anti-drones. Il y a le monsieur là, ouais. Bonjour, est-ce que je dois me présenter? Si vous avez envie, il n'y a pas d'obligation. Je dois me présenter parce que si on se présente, et si, il faut être crédible en fait. Moi, je me considérais comme transhumaniste il y a 5 ans. Moi, je ne me considère plus comme transhumaniste parce que j'ai compris ce que c'était. À part de ça, moi, je suis russe, j'ai fait mes études ici, j'ai fait HEC, j'ai fait des fines en mathématiques, j'ai fait Sorbonne en droit, j'ai fait un inter en sociologie et j'ai fait des autres études aussi. Donc, il avait une question sur le progrès. Là, les deux personnes qui sont là sur la scène, c'est des philosophes. Les philosophes, ils ne répondent pas directement aux questions, ils rapportent des jolis mots pour ne pas répondre correctement. Parce que le progrès, la définition est simple. La définition est simple. C'est augmentation en efficacité. Donc, le progrès, si vous augmentez l'efficacité, c'est ça le progrès. Il n'est pas une question morale autour, rien de tout ça. Pareil pour le transhumanisme. Qu'est-ce que c'est un transhumanisme? Pourquoi moi, je pensais que c'était intéressant jusqu'à le moment où j'ai compris ce que c'était. En fait, transhumanisme, c'est comme on a dit ici, c'est Ray Kurzweil aux États-Unis. Moi, je lis son site chaque Ray semaine. Ray Kurzweil, oui. Parce qu'il a des choses vraiment intéressantes. Je conseille à tout le monde. Il parle vraiment beaucoup de médicaments qui sont accessibles. Par exemple, metformin, que tout le monde connaît. C'est un médicament antidiabétique que vous pouvez acheter. Et surtout pour les femmes, augmenter votre espérance de vie de 20%. Et ça, c'est accessible pour tout le monde aujourd'hui. Donc, c'est intéressant. Il y a des choses comme ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je précise je vous interromps pas. Hein, juste, je précise donc, que le Ray Kurzweil, auquel fait référence monsieur, est connu, en plus donc, d'être un des penseurs, entre guillemets, du transhumanisme, pour vendre des pilules miracles. Non. Et lui, il vend un autre. Il participe dans... Il y a beaucoup de prix Nobel, etc., qui ont fait une compagnie pour vendre... un truc pour nourriture qui s'appelle NAD, en fait. Mais ça, c'est pas prouvé. Metformin, c'est un autre médicament, c'est en fait un truc contre le diabète qu'on a trouvé qu'il marche. Il y a d'autres médicaments comme ça, comme... Ok, mais allez beaucoup. Au point, okay. C'est pas grave. C'est donc, pas... qu'est-ce que je veux dire? Transhumanisme, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une idée, c'est une idéologie qui dit que le progrès dans la technologie va résoudre tous les problèmes de société. Que la seule chose qu'on a besoin pour arriver à paradis, comme dans le communisme, pour arriver à paradis, on avait besoin de tout avoir en commun. Ici, on dit qu'on va avoir tout. Tout simplement, la technologie va tout résoudre. Mais en réalité, c'est juste tout simplement, en théorie, en idéologie qui est adaptée aux États-Unis. Parce qu'eux, ils ne pouvaient pas accepter les théories marxistes. Mais si vous lisez le Marx, si vous lisez le Marx, et vous allez regarder ce qu'il a dit, il a expliqué toutes les formations socio-économiques, dès la première, archaïque, où les gens ne peuvent pas produire plus de produits pour supporter leur maître, donc ils ne peuvent pas avoir des esclaves. Après, vous avez des esclaves parce qu'ils ont des outils en métal. Et donc, il y a un esclave, il peut supporter soi et son maître. Après, vous avez féodalisme, c'est-à-dire qu'il y a des outils de production et de... j'ai oublié cet mot en français, je suis désolé, d'enforcer les gens, donc vous avez des choses pour produire encore plus. Donc vous avez le pouvoir dans ce cas-là appartient à celui-là qui détient le féodalisme. Okay. Donc ça continue comme ça jusqu'au communisme. Qu'est-ce que c'est le communisme? Et comment le Marx, il a défini la qualité de vie, la qualité de vie des sociétés. Il a défini, pas comme vous pensez, pas argent ou quoi que ce soit, c'est le temps libre du travail. Et lui, il a dit...
que la technologie va permettre aux gens de se libérer du travail. Il a dit Marx déjà à l'époque, ouais. Et c'était pas la première surtout le Marx, mais le Marx est le plus connu. Allez au point s'il vous plaît, on a bien compris ce que vous vouliez donc, dire. Donc, transhumanisme, c'est une idéologie qui, tout simplement, en adaptation des idées marxistes aux États-Unis, c'est pas une idée, on ne parle pas du progrès, on ne parle pas si progrès est mauvais, si progrès est bien, bien sûr est bien. Regardez le monsieur, il porte les lunettes. Et elle disait, oui, on a droit à être aveugle, on a droit à être tout ce qu'on veut, mais ils ne veulent pas enlever ses lunettes. Donc, c'est normal. Donc, est-ce que, la vraie question, est-ce que les élites qui existent aujourd'hui, est-ce qu'ils sont prêts à lâcher le pouvoir? Mais si vous vraiment allez voir ce qui se passe, en fait, c'est qu'on est déjà, il y a des années, presque dans la singularité, c'est juste qu'il existe des élites qui ne veulent pas et qui veulent que vous tous ici, que vous travaillez, que vous croyez à tout ça, que vous ne comprenez pas ce qui se passe dans ce monde. Que ces élites, pédophiles, etc. Je suis désolé. Mais c'est comme ça. Strauss-Kahn, tous ces gens-là. Donc ces gens-là, ils vous lavent les cerveaux. Ils vous lavent les cerveaux, tout simplement. Ils vous disent, ils vous ramènent des théories comme ça. Ça, vous pouvez après voir. Pour que vous croyez que le paradis est quelque part. C'est juste ça. Est-ce que la technologie va tout résoudre? Bien sûr que non. Parce que les élites, ils vont toujours essayer de... Je pense qu'on a bien compris. Alors moi, là, vous avez compris mon idée, oui. Ouais, c'est que c'est pas ça le débat. C'est le débat, c'est est-ce que la technologie va permettre aux gens, aux masses, de prendre le pouvoir et de vivre dans le paradis ou pas. En tout cas, on a bien compris votre point, et je veux bien qu'il y ait une réponse sur ça. Est-ce que le transhumanisme, c'est une forme d'idéologie qui, pour le résumer... Ouais. Oui, alors c'est une idéologie, c'est une posture par rapport à nos technologies, à l'évolution de notre société et du vivant. C'est fini pour les questions, juste madame et monsieur. Ce que vous dites, oui, c'est... Silver, là, au centre. Ouais. On a pu trouver, en effet, ce type de posture extrême dans le transhumanisme. Moi, je m'intéressais à ça quand je faisais ma thèse et dans le groupe extropien à l'époque, et qui a justement fini aussi par me déranger. Parce qu'on était dans une sorte, comme tu disais tout à l'heure, d'obsolescence biologique et de désir et de fantasme technologique qui m'a un peu épuisé. Heureusement, et c'est le travail qu'on fait, on essaie de le faire évoluer, de l'humaniser. Donc, ce que vous dites sur le transhumanisme, oui, on peut trouver des postures comme ça. Nous, on prend le parti pris, justement, de conserver ce terme-là pour pouvoir le faire évoluer par notre réflexion. Pour ce qui est de définir le progrès comme étant une recherche d'efficacité, ben dans ce cas-là, ça décalera la question sur qu'est-ce que c'est que l'efficacité. C'est obtenir les choses à moindre coût, etc. C'est vrai que le vivant fait ça depuis l'origine. Il cherche à optimiser son fonctionnement interne pour le faire à moindre coût. Puisque ça lui permettra de survivre et de maintenir sa structure plus longtemps, ce qui est quand même l'objectif du vivant. Voilà. Ok, on va continuer avec la question du jeune homme derrière. Après, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que les élites vont lâcher le pouvoir? Est-ce que les élites vont... Je pense que honnêtement... Non, la réponse est non. Est-ce que les élites vont... Mais là où je suis pas d'accord avec votre idée, enfin non, là où j'ai un petit doute, c'est juste que le transhumanisme, c'est quand même un truc qui existe depuis pas mal de temps et qui est complètement inconnu. Donc pour une idéologie des masses, honnêtement, c'est loin d'être. On cherche pas à laver c'est le cerveau. Complètement obscur. Personne ne sait ce que c'est. La preuve, c'est qu'on participe à des débats. On apprend de nos détracteurs. Et justement. C'est là où je continuerai à parler de vigilance, c'est-à-dire qu'il faut éduquer les gens pour qu'ils connaissent en effet les technologies, pour qu'ils puissent mesurer le pour et le contre des choses. Et ce que nous, on va défendre, ce serait de combattre une posture négative dès le début en disant on ne veut surtout pas. C'est maintenir cet état de curiosité permanent pour le futur. Bonsoir, monsieur. Et merci aux organisateurs pour un débat aussi passionnant que Clion. On l'a vu avec l'affaire de la salade. Moi, ma question, elle est simple. C'est est-ce que quand quelque chose il est techniquement faisable, ça veut dire qu'il faut le faire? Ou autrement dit, quand la science a résolu la question du comment, est-ce que ça nous fait l'économie de la question du pourquoi?
Merci pour cette question. Là, vous avez un auteur, je vous conseille, si vraiment c'est une question centrale pour vous, je vous conseille de lire un auteur qui s'appelle Anders, qui a écrit un livre en deux tomes qui s'appelle L'obsolescence de l'homme. Et dans ce livre, en fait, il explique que si on veut définir ce que c'est que la modernité, hein, finalement, l'essence de la modernité, selon lui, hein, selon ce philosophe, eh bien, c'est l'incapacité de réaliser ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que si vous prenez les auteurs, qui, comme ça, les penseurs du XVIe, XVIIe siècle, qui, dans la science, hein, Bacon, par exemple, qui pose les jalons un peu de la science dite moderne, d'accord, eh bien, ce qui apparaît, c'est la pulsion ou la volonté, vous direz comme vous voudrez, de réaliser à tout prix tous les possibles. Donc il y a une sorte, donc je définirais la modernité à partir de ça, c'est-à-dire l'incapacité à pouvoir dire non au possible. Ce qui est très problématique, c'est qu'en fait, ce qui apparaît comme certains comme une puissance, c'est-à-dire oh, bah, c'est merveilleux, on va pouvoir faire plein de super trucs, m'apparaît à moi comme une suprême impuissance. Car après tout, la vraie puissance, la plupart du temps, c'est précisément la capacité de ne pas. Hein, c'est par exemple, vous êtes dans un état d'agressivité par rapport à quelqu'un, et bien après tout, la vraie puissance sera peut-être à un moment donné de ne pas exprimer cette agressivité, par exemple. Hein. Donc elle sera en vous, mais elle ne sera pas forcément exprimée. Donc je dirais que s'il y avait aujourd'hui une sorte de contre-modernité à repenser, c'est celle qui s'interrogerait sur notre capacité à ne pas tout réaliser. Là, je verrais, si on commençait à pouvoir faire ça, je verrais le début d'une nouvelle puissance. Alors en même temps... pour ajouter au débat, c'est ce qui va garantir d'une non-linéarité. C'est-à-dire que le vivant expérimente toutes ses potentialités, qu'on le veuille ou non, et essaye de trouver des brèches dans de nouvelles expérimentations, et que c'est ce qui va, justement, parce qu'on ne détruit pas des branches a priori, éviter une simplification du modèle et le risque d'une linéarité. La notion d'expérience, elle est difficile à définir. Par exemple, dans les centrales nucléaires qu'ils ont démantelées, ils ont trouvé des bactéries qui se nourrissent des radiations. Donc finalement, ils ont appelé ça Conan et Super Conan. Finalement, on n'a pas fait d'expérience, mais le réel s'est imposé à nous en disant « Tiens, et est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cette bactérie pour équilibrer justement les centrales ?» Donc, est-ce que toute expérience est bonne ? Je répondrai de la même façon « Non, pas dans le sens... avançons avec une science quasi aléatoire qui fait tous les possibles de je sais pas, de jeter des fusées dans les volcans et des choses comme ça. Non, heureusement, il y a un plan d'intention. C'est la limite. Quelle limite on va poser à ce plan-là ? Mais quand un chercheur fait un plan d'expérience, il a une idée, il a une intention. Moi, ma posture sera en effet de ne pas brider le chercheur dès lors qu'on a accès à sa connaissance, et je vais militer pour une connaissance ouverte. Je pense que la seule façon que l'on aura qu'il n'y ait pas d'abus, c'est que justement on puisse savoir les choses. Pour revenir au drone tout à l'heure, oui, un drone c'est affreux si on l'équipe d'un pistolet ou si ça lâche des bombes, mais ça peut être aussi, et c'est fait par certains groupes, une façon d'aller regarder des centrales et de dire hey, nous on peut être vigilants. Et aujourd'hui il commence à y avoir cette dynamique sociale pour dire réapproprions-nous la connaissance et la science pour justement conserver cette vigilance. Ah, vous avez pris un bon exemple, les fusées dans les volcans. Eh bien, voilà, je prends le pari qu'il y aura des fusées dans les volcans. C'est quand vous l'avez pris au hasard, j'espère que peut-être qu'il n'y aura pas trop d'enregistrements, que les enregistrements ne sortiront pas de la salle, parce que je pense que quelqu'un va réaliser ça. C'est-à-dire, comme par exemple, dans les années 40-50 aux USA, il y a eu en fait des expériences d'explosion nucléaire souterraine dont le but était de pouvoir créer des canaux. Donc le problème, c'est que si votre exemple qui semblait a priori aberrant diffuse dans les volcans, je suis persuadé que quelque part il y a un géo-ingénieur qui se dit qu'en fait, grâce à des fusées dans les volcans, on pourra produire en fait un nuage capable en fait d'obscurcir le ciel, ce qui permettra de pouvoir lutter contre le changement climatique. Et voilà, donc méfions-nous des possibles. Soyons vigilants. Alors, oui, mais c'est ce que fera peut-être la nature avec l'inversion des pôles ou des choses comme ça qu'on ne contrôle pas. Il y a des catastrophes de toute façon. On est un pion dans ces éléments-là et il y aura ces éléments-là. Il peut y avoir une météorite qui y tombe et on ne l'aura pas vue. Là où il faudrait qu'on trouve un petit peu cet accord, c'est comment est-ce qu'on sait si l'expérience est bénéfique pour le groupe humain ? Comment est-ce qu'on peut l'évaluer sans l'avoir fait ? J'ai pas exactement la réponse. Dans ce cas-là, il va falloir peut-être qu'on se questionne pour faire par étapes,
avec notre état de connaissance et il y aura certaines catastrophes. Et on ne peut pas, par exemple, avec la géo-ingénierie, on ne peut pas faire par étapes. Si en fait les projets de modification intentionnelle du climat sont mis en route, tout le monde le sait, parce que c'est un système, le climat justement, parce que l'atmosphère est un système chaotique, si on fait une expérimentation, nous serons les cobayes de cette expérimentation. Deuxième exemple, en 1945, vous savez sans doute, mais lorsque les bombes ont été lancées sur Hiroshima et Nagasaki, les scientifiques qui l'ont lancée considéraient à tort qu'il y avait un pourcentage, une possibilité, qu'en fait l'atmosphère entière s'embrase. En fait, ils avaient tort, mais ils ont pris le risque. Je ne vais pas défendre cette posture non plus. Mais le problème, c'est qu'il faut réfléchir à ce que c'est que la technologie contemporaine. Il ne faut pas réduire notre débat à pro-science ou anti-science. Il y a des abus qui ont été faits dans un sens et dans l'autre, et on pourra s'affronter sur plein de caricatures différentes. Alors, il reste combien de questions ? 3, c'est ça ? Ok, on va s'arrêter à ces 3-là. Vous allez les poser ou apporter vos contributions si ça vous va, et après on conclura. Bonsoir. Donc, moi je pense qu'il faut éviter de refuser le progrès. Des conférences comme celle-là, il y en a eu de tout temps. Et de tout temps, il y a des gens qui sont partis offusqués en disant que c'est des salades. Ça arrive aussi dans l'art, pour la musique, pour tout type d'œuvre d'art, des gens qui s'offusquent et qui partent. Bref. On connaît bien ça. Donc je pense que le progrès, on ne l'évitera pas. Je pense que la bionique, on ne pourra pas l'éviter. Je pense que quand vous parliez tout à l'heure de notre capacité à faire des choix, aujourd'hui, par exemple, aux Nuits Debout, je pense que 80% des gens ont des smartphones. Pourtant, c'est des gens qui ont envie de choisir et d'être contre, et pourtant, ils ne peuvent pas résister. Je pense que notre inconscient collectif et que l'œuvre d'art alimente notre imaginaire et donc nous pousse à finalement favoriser toute cette recherche et toutes ces nouveautés et que... On ne pourra pas arrêter ça parce qu'on est fasciné, qu'on a envie de savoir ce que ça va être un humanoïde et tout ça. La question que j'ai envie de poser, c'est par rapport à l'écologie. On parlait du problème écologique tout à l'heure et je pense que l'écologie, aujourd'hui, elle a un réel lien avec le problème démographique. Et la bionique va probablement augmenter ce problème démographique. On ne pourra pas régler les questions écologiques aujourd'hui tant qu'on n'aura pas réglé les questions démographiques et qui sont liées à plein d'autres questions féministes, etc. Du coup, est-ce que la bionique, en nous permettant d'allonger notre capacité à conquérir l'espace, à voyager dans l'espace, est-ce que ce n'est pas la bionique qui va permettre la survie de l'espèce humaine ? Merci. Je veux faire par rapport à la question des smartphones. Écoutez, je vais faire un aveu. Bon, j'ai pas de téléphone. J'ai pas de téléphone sur moi. Je sais que ça peut être considéré comme un acte près de terrorisme, hein, des fois dans certaines enquêtes policières. Surtout aux États-Unis. Voilà, ou non, en Allemagne. Enfin bon. Et donc j'ai pas de téléphone. Et c'est un champ d'expérimentation incroyable, en fait. C'est-à-dire que pour revenir à ton expérience de tout à l'heure, en fait, des fois, je dis, bon, je prends un rendez-vous avec quelqu'un, et la personne me dit, bon, écoute, je t'appelle s'il y a un problème. Et je dis, mais j'ai pas de téléphone. Donc, ce qui fait que ça crée des rendez-vous, en fait, justement. C'est-à-dire qu'en fait, ça crée des points d'attache. Et j'ai réussi à survivre, en fait, au manque de téléphone portable. Donc, je vous propose ça à titre d'expérimentation, pas trop vite, bien entendu, mais vous voyez ce qui Parce se passe. Parce que toi, t'as arrêté le portable partielle. Ou t'as jamais... J'ai arrêté de fumer, bon, il y a 2 ans et demi. Là, maintenant, j'ai cette portable. Bon, je tente différentes expériences, en fait, doucement, parce que je sais bien que c'est difficile. Donc, on peut expérimenter, en fait, un certain nombre de pratiques qui n'exigent pas, en fait, forcément des technologies. C'est possible. Monsieur, oui. Oui, bonsoir. Merci pour ce débat. Merci. Alors moi, j'étais extrêmement frappé en écoutant le représentant de l'association française transhumaniste. Olivier Néraud. Mais son collègue aussi Frédéric invité à réagir à ma question, qui part d'abord dans le constat. J'ai été frappé, si vous permettez, par la similitude de votre rhétorique avec du domaine scientifique, si on le déplaçait au domaine économique, avec la rhétorique ultra-libérale. Et notamment le fait que vous utilisez beaucoup des ruses, que moi je considère comme des arnaques, des ruses rhétoriques de l'ultralibéralisme. Je vais me permettre rapidement de dénoncer. Hein. Je ne suis pas là du tout. J'espère que vous ne vous sentez pas injurié. Mais du coup, ma question sera de savoir si vous l'assumez. D'une part... Quel genre de ruses rhétoriques, Alors, je vais en préciser 3 rapidement. D'une part,
parler de choix individuels, d'options individuelles, d'optimisation individuelle, sur la même arnaque que le discours du mérite chez les ultralibéraux, comme si en fait il n'y avait pas des gens qui partaient du 16e et d'autres de Seine-Saint-Denis. Il en est de même dans le rapport à la technologie. Secondo, c'est de ne pas évoquer la question des instances de contrôle, à moins que vous pensiez qu'aucune question bioéthique ne se pose et qu'il faut vraiment tout laisser faire, mais des instances de contrôle comme s'il y allait avoir une main invisible bioéthique, comme il y a une main invisible du marché qui nous a tous bien mis depuis 2007. Et donc, on sait que la Silicon Valley, c'est des entreprises privées qui ont moyennement de tolérance envers le contrôle étatique, parfois pour le mieux, parfois pour le pire, mais ça pose une vraie question. Donc ça, c'est mon autre problème. Qu'est-ce que vous faites du cadre de contrôle? Est-ce qu'il y a un cadre de contrôle ou pas? Et secondo, l'insupportable pour moi, qui ne suis pas du tout anti-technologie du tout, hein. Mon métier c'est réalisateur, donc sans technologie je serais vraiment très mal barré. Mon troisième problème, c'est le mantra du progrès, qui consisterait à inscrire le transhumanisme dans une sorte d'ordre naturel des choses, que moi je conteste. Je rappelle que, évidemment, la loi de travail qui est refusée à 70% par les Français est faite soi-disant au nom du progrès. Moi je me considère comme progressiste, alors peut-être qu'on ne parle pas du même progrès. Et donc, cette idée que forcément, il y aurait un ordre des choses, que les choses sont là, et votre démonstration passant par le fait de confondre l'ordre naturel et l'ordre culturel, comme si c'était totalement équivalent et dans l'histoire, ça me fait penser au darwinisme social, en parlant de l'évolution du vivant qui serait irréversible, comme si ce que produit l'homme était tout à fait du même ordre. Ce que je conteste totalement. Je conteste que l'invention de la bombe atomique fasse partie de la logique naturelle du vivant. Je le conteste totalement. Donc c'était pour vous répondre à ces points précis. Et plus généralement, est-ce que vous assumez cette parenté de rhétorique avec l'ultralibéralisme reporté du domaine économique au domaine scientifique? Merci. Ça va faire beaucoup, beaucoup d'éléments simultanés. Il faut résumer parce qu'il nous reste 5 minutes. Je vais essayer de résumer, c'est pas évident. Je vais répondre franchement par rapport à la philosophie du libéralisme. Je vais en effet être plutôt pour. Par contre, je suis absolument opposé à ce que l'homme en fait, c'est-à-dire des moyens de contrôle et de domination. Je vais revenir plutôt à l'origine, c'est-à-dire en effet, je vais être plutôt du côté des choix individuels et de la capacité d'un homme de décider de son propre destin. Je vais essayer de reprendre, je peux me tromper dans l'ordre, mais par exemple de dire sur les inégalités sociales au départ, des enfants qui vont venir du 16e ou d'un autre département, voire d'un autre pays, parce qu'il n'y a pas que nous. Je vais mettre en parallèle le fait que le MIT ou Harvard ouvre ses cours aujourd'hui et que la technologie permet aujourd'hui d'accéder à un volume de connaissances extraordinaire qui avant était réservé à un petit nombre d'élites qui y accédaient. Donc je crois qu'il y a énormément de systèmes aujourd'hui, et même au niveau de la monnaie avec les crypto-monnaies, où justement on est en train de déposséder ceux qui ont certains privilèges dans notre société actuelle de leur capacité, et qu'on peut se le réapproprier entre nous. Donc ça, c'était le premier point. La notion d'organisme de contrôle, je suis d'accord, j'en parle depuis tout à l'heure, mais je parle de contrôle collectif. On a bien vu dans tous nos systèmes humains que dès lors qu'on centralise et qu'on met un contrôleur, qui contrôle les contrôleurs? Ils vont centraliser une sorte de pouvoir dont ils vont abuser, avec la possibilité de détourner, de contourner, de dissimuler. Je milite justement pour une science ouverte, pour des connaissances qui sont distribuées, qui permettent à chacun de prendre sa posture. On pourra en parler, parce que je crois qu'on peut utiliser les mêmes termes avec des postures qui vont être caricaturales. Ce qu'on a fait de cette notion de liberté individuelle, j'en fais une horreur, enfin pour moi je l'ai en horreur, parce que c'est simplement une façon, en effet, de nous faire passer la pilule. Je vais être d'accord avec vous par rapport à ça. Il faut revenir aux fondamentaux, ouvrir la connaissance. Et pour moi, ce que je vois dans les technologies aujourd'hui, elles permettent de le faire.
les mocs qui s'ouvrent, les ouvertures, les arxives qui permettent d'échanger des travaux de recherche, la posture même des chercheurs pour le faire. Il y a une vague de fond qui se fait dans laquelle notre société est en train de perdre ses repères. Je vais prendre un exemple. Un dernier exemple, les crypto-monnaies. Ça peut être quelque chose de très intéressant. Ça permet de se réapproprier la création monétaire. Que fait le capitalisme aujourd'hui ? C'est d'investir 9 milliards dans la technologie pour que ça vienne de nos banques et que l'utilisateur moyen dise « Bon, ça a l'air un petit peu plus sécurisé, c'est bien, je vais l'utiliser et on va revenir comme avant. » Moi, je vais plutôt militer, en effet, pour que ces technologies restent ouvertes et que chacun, individuellement, puisse faire ses choix par rapport à ça. Et c'est mon libéralisme, mais on peut en parler. Oui, très rapidement, Frédéric. Je voudrais présenter mes excuses parce que si ce que je dis n'a pas été clair, c'est de ma faute, c'est parce que je n'ai pas dû présenter les choses comme il fallait et ça m'arrive et donc je ne suis pas un être parfait. Bon, je reprends deux points sur lesquels j'ai insisté en fait ce soir qui vont à l'encontre de toute idée de libéralisme ou d'ultralibéralisme. J'ai insisté fondamentalement sur la question des choix collectifs. Sur la question des choix collectifs, des choix de civilisation, des choix de société, et pas du tout des choix individuels, premièrement. Et deuxièmement, j'ai insisté également sur la question des bifurcations, c'est-à-dire le fait que, loin d'être dans un rapport à des ordres naturels, ou même d'ailleurs des ordres sociaux, des ordres symboliques, comme le diraient certains, qu'on ne pourrait pas constater, je crois absolument à la capacité des sociétés humaines à pouvoir changer d'ordre symbolique. C'est absolument pour moi l'histoire atteste la capacité des sociétés à pouvoir changer d'ordre symbolique. Donc je ne crois pas à un ordre naturel qui s'imposerait à la société du tout. C'est pas toi l'ultralibéral. Désolé, j'ai pas compris. Alors vraiment désolé. C'est le Nera Nero. C'est. J'ai pas compris. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Donc en fait, on est en pleine question ontologique puisque vous. D'après ce que j'ai cru entendre de votre organisme, enfin j'en avais vaguement entendu parler. Et vous parlez de l'Association française transhumaniste. Oui, c'est ça. Et après, bon, de toute façon, ça concerne les deux intervenants. Bon, moi, ce qu'il y a, c'est que ce que je regrette, c'est que bon, il faut déjà constater qu'on ne peut pas arrêter la recherche de la connaissance. Il y en aura de plus en plus. Ça, c'est inévitable. Hein. Mais le problème qu'il y a, c'est que vous avez reconnu qu'il s'agissait d'une idéologie, donc qui dit idéologie dit idéologie politique, c'est-à-dire remplacer un système que vous n'estimez pas parfait par un système que vous estimez meilleur, comme parce que vous disiez bon, pour que l'humanité puisse atteindre soi-disant un certain paradis. Mais ce que vous oubliez, enfin ce dont vous n'avez pas parlé, c'est de la dimension spirituelle de l'homme, parce que l'homme avant tout, avant de vouloir, bon, il peut créer des machines pour améliorer, par exemple une prothèse, des choses comme ça, même d'autres systèmes qu'on peut, on peut faire des greffes, on peut faire plein de choses, mais l'homme est d'abord un esprit, et cet esprit, il est là pour un certain temps, donc de toute façon, quand le passage sur Terre est très très bref, donc ce qui compte le plus, c'est ce qu'il va y avoir aussi après. Donc, l'homme étant donné que cet homme est un esprit, vous n'avez pas du tout évoqué, et c'est la question que je voulais vous poser, pourquoi vous n'avez pas donc parlé. Spirituel au sens religieux, vous voulez dire? Oui, enfin, il y a l'esprit, c'est-à-dire que l'homme a un esprit, ceci est reconnu par toutes les religions. Après, c'est vrai qu'il y a des religions différentes, ça, je sais que ça existe, mais vous n'avez pas, mis cet aspect en avant, parce que finalement, les décisions que prennent les chercheurs, etc. Bon, même s'ils ne sont pas contrôlés, il y a quand même des gens qui réfléchissent à l'âme, qui réfléchissent à l'esprit et qui donnent leur avis à ces chercheurs-là. Donc l'objectif, c'est quand même d'abord d'essayer de régler des problèmes, disons, qui sont des problèmes récurrents, à savoir s'habiller, pouvoir se nourrir, etc., interdire les armes. Et déjà, l'homme n'est pas capable de résoudre ces problèmes-là. Alors si vous voulez le lancer dans des activités beaucoup plus sophistiquées, hyper pointues, je ne sais pas comment vous pourriez y arriver. Voilà. Alors, je retiens le mot spiritualité, hein, parce que c'est aussi un mot qui revient lié au transhumanisme. Est-ce qu'il y a une forme de spiritualité dedans, de religion, de vision religieuse des choses, etc. Alors, une des choses que contesteraient peut-être les transhumanistes, c'est cette idée que le temps de l'homme sur Terre est compté, puisque une des idées, c'est que justement ce temps s'allonge et que potentiellement on pourrait atteindre une forme d'immortalité de l'homme, ce qui pose aussi probablement des questions spirituelles.
Donc ça, je vous invite tous les deux à dire des mots de conclusion, répondre évidemment si ça vous inspire et conclure chacun. Dans toute idéologie, il y a des postures un petit peu extrêmes. Oui, il y a une spiritualité transhumaniste qui peut même être moquée, hein, d'attente de la singularité avec l'arrivée des IA qui vont machin. C'est un folklore qui m'a personnellement pas beaucoup parlé. Le sujet de la spiritualité, je l'ai abordé très rapidement tout à l'heure, c'est pas évident dans le cadre du débat, en disant que pour ce qui est en tout cas de la notion d'esprit ou de conscience, c'est un sujet que la science commence à aborder aujourd'hui, à la fois au niveau théorique et au niveau pratique, et qui commence à avoir des résultats, et je trouve que c'est très intéressant parce qu'on a une science qui commence à se rapprocher de la philosophie, qui pose des questions, et ce n'est plus un interdit de curiosité. On va plus dire ne touchez pas à ce sujet-là. Il y a des philosophes de la théorie de la conscience et aujourd'hui des théoriciens qui ont des sujets absolument remarquables. Et je vais essayer de conclure là-dessus. Moi, ce que ça m'amène à penser, c'est que justement est en train de tomber actuellement la dernière frontière que l'homme a voulu mettre entre lui et la nature, qui était que c'était un être doué d'une âme, d'une spiritualité, d'un conscient, et qu'aujourd'hui les recherches montrent qu'on est plus dans un continuum au niveau de l'univers, et c'est ce que j'ai essayé de présenter tout à l'heure, de dire que ce qui tombe aujourd'hui, c'est cette prétention humaine à dire « moi je suis vivant, moi je suis conscient, moi j'ai une spiritualité, moi je sais le bien et le mal, moi je sais comment l'organiser », et que ben, on est dans cette évolution continue de l'espèce, et qu'on a simplement une capacité à voir un petit peu plus loin, parce qu'on est quand même un petit peu évolué, et que le transhumanisme aujourd'hui, c'est d'avoir confiance en cet avenir. Voilà. Alors très très vite, j'ai essayé en fait de différentes manières de dire que ce qui me semblait important dans la pensée, c'est d'insister sur les discontinuités. Moi, je ne crois pas au continuum. Pour moi, le continuum, c'est une illusion dangereuse. Alors, la question après, c'est de savoir ce qu'on inscrit dans les discontinuités, dans les écarts. Il vous semble à vous que dans cet écart, dans le fait, par exemple, qu'on ne peut pas réduire ce que nous sommes à un cerveau, ni à une machine, eh bien, vous, dans cet écart, vous mettez l'esprit. Et je peux l'entendre. Moi, il me semble que cet écart, en tant que tel, il est porteur de promesses et d'inconnus suffisants pour que je ne sois pas obligé d'y mettre le terme d'esprit. Merci à tous les deux, merci au public d'être venus nombreux. Je pense qu'on peut applaudir nos deux participants.